J'ai fait un œuf là. J'ai fait une seconde avant. Bonsoir à tous, bonsoir Valoulou, comment ça va? Comment vous allez? Bon bah du coup, pratiquement à l'heure quand même. Hein. Bonsoir Bigfoot, comment ça va? Ouais, écoutez, bah, ça va, merci Valoulou. Bonsoir Doom, comment tu vas? Ouais, ça va, vous allez bien? Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à la bête. La bête qui est ici. Ouais, du coup en fait, y a une branche là qui tient pas très bien. Du coup, j'avais acheté dimanche. Voilà. Bon, en tout cas, on va prendre ce qui est prenable. Voilà. Donc, nous attaquons à la bête, au cardon. Ouais, elle est encore vivante. Attends, les meilleurs sont là. Oui, voilà. Excellent, mais écoute. Oui. Alors, attendez, parce que là, je sais pas pourquoi mon chat là, la lumière, elle est pas terrible. Elle est encore vivante. Alors, attends. Du coup, qui? Qui, Baloulou? qui? Attends, là c'est le soir. Très bien, donc attends. Ouais, merci pour les tickets, merci. Du coup, alors ce que je vous propose, je ne sais pas ce que ça va donner. Du coup, je fais pas, tu sais, là j'ai vu Doom, la spécialité là, de Lyon, avec l'os à moelle et tout. Je t'avoue, ça m'a pas tenté des masses. Donc, du coup, on va partir sur autre chose qui est un peu plus classique. La bête. Ah, la bête! Ah, le cardon! Ah oui, d'accord, ok, oui, je viens de comprendre, ok. Ouais, ça marche, oui, la bête. Oui, elle est encore. La vivante, plus tellement. Hein. Bonjour. J'adore. Bonjour, Fanfan, comment tu vas? Donc, je vous propose en fait de faire des lasagnes, en fait, lasagnes de cardon. Du coup, je vais essayer de le couper finement, en fait, pour faire des tranches, vous savez, qui correspondraient aux pâtes. Tu fais oriental avec? Ah ouais, moi je vais faire italien. D'accord, ok. Donc, du coup, on va partir sur la bolo classique, en fait, la bolo qui est healthy et tout. Ouais, ensuite on va préparer. Alors attention, bon, une poêlée de cardon, ça devrait aller. Je vais utiliser mon aubergine d'hier, j'ai pas utilisé. Ouais, voilà, du coup on va mettre un peu de tomate, enfin des choses comme ça. Ça se ressemble? Ouais, bon bah voilà, ok, bon bah ça va alors, ok. Et du coup, Doom, je vais faire un dessert avec le cardon. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. voilà, donc je pensais à du café, café noisette. Voilà, on va partir sur café noisette et du coup oriental. Ouais, tout ça, c'est à côté de la Tamise. Ouais, grave. Oriental, italien. Mais grave. La honte, j'ai honte. Donc, du coup, voilà, nous allons faire un petit dessert donc avec le cardon. Donc, le goût est plutôt fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lécher son goût. En fait, on va lécher son goût avec du lait. On va prendre du lait végétal et du coup, on va rajouter. Ouais, on va faire rôtir un peu de potimarron qu'on va mettre ensemble. Et puis, bah écoutez, on va faire une espèce de crumble en fait. Voilà, donc on va voir. Je vous avoue que je ne sais pas. Ah, bébé, tu viens dire bonjour? Viens, me dis bonjour. Oh, oui, viens. Je lui ai donné sa pâtée, donc tout va bien. Viens, me dis bonjour. Non? Non? Ok. Ah. Merci pour le follow. Merci Kevin Célan. Merci pour le follow. Du coup, je vous propose de commencer. Bah, en fait, le potimarron, on va déjà juste le mettre au four. Comme ça, il va bien rôtir. Ouais, c'est devenu un même. Et cette histoire de Tamise. Non, mais c'est clair. Hein. Tu m'étonnes. Le durum et la Tamise, je t'avoue que c'est le truc, quoi. Donc, après, je vous ferai un feedback d'hier, en fait, du coup, de potimarron. Du coup, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Ah ouais, non, c'était ouais, le dîner idéal, oui. Donc du coup, on avait fait les falafels. Bon, les falafels, ça reste les falafels, en fait. Hein. Potimarron ou pas potimarron, en fait, c'est les falafels. Voilà, c'était bon, hein. C'était bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a fait les falafels, on a fait quoi d'autre? Non, mais au secours, la mémoire, quoi. Attendez, ça va revenir. La salade de quinoa, potimarron, feta, olive noire, bah, c'est pas mal en fait. Ouais, j'ai bien aimé. Bonjour Caillou Julius. Enfin, maintenant, il faut ajouter le verre. Ah oui, c'est vrai, le verre, hein, mon Dieu, le verre. Bonsoir Scandellamar, ça va? Bon, normalement, d'après ce que j'ai compris, tu as changé tes horaires, donc tu stream vers les coups de 20h. C'était pas une omelette aux olives. Non, c'était pas une omelette, c'était la salade de quinoa avec potimarron, dés de potimarron rôti. Avec des olives noires et de la feta, et c'était super bon. Et du coup, on avait fait un autre truc avec la feta. La feta, feta, il y avait aussi olives noires. Le gratin d'aubergine. Ben écoutez, en fait, je kiffe le mélange de romarin, paprika et curcumin. Je kiffe. Ouais, c'est après toi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais, ça marche. Ok, score de la mort.
Bah, en fait, bah, le houleux, c'est comme un légume ancien. Du coup, il y a le logo FR3 parce que c'était il y a longtemps. Ouais, le chat, il est là. Il est resté là. Ouais, il s'est barré. C'est là, bébé. Il va tourner, voilà. Bah, c'est le soir, il va tourner. Voilà. Bon, bah, en tout cas, il sera avec nous. Du coup, on est parti. Je vais juste mettre le potimarron au four. Et après, on va éplucher la bête. Bah, je pense que j'ai jamais goûté. Hein. Donc, j'ai vu que. Bah, t'avais dit à Doom que ça goûtait l'artichaut. Donc, du coup, bah, écoutez, on va voir. Hein. Alors, hier, pour me remettre de mes émotions, je me suis préparé les cookies version V3, V4. Bah, écoutez, c'est la version nickel, donc moelleux au milieu et croustillant à l'extérieur. Par contre, je trouve que c'est pas assez gourmand, donc il va falloir mettre des petits trucs dedans pour que ça devienne gourmand. Tu vas assommer, ouais, comme les anguilles. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai vu la vidéo de Maïté quand elle fait ça. Oh là là. Non, 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 là, du coup, ouais, c'est clair. C'est pas mal. Bon, cette branche, en fait, je vais l'enlever parce qu'en fait, bah, elle marche pas, en fait. Je pense qu'elle est morte. Donc, du coup, celle-ci, tant pis. Voilà. Le marché, c'est dimanche, donc, du coup. Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai trouvé, c'est déjà ça. Bonjour Pénard Prade, comment ça va? Ouais, hello, comment ça va? J'étais pas née. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est ça, bah Loulou. Bah voilà. Les références de la vieille. Non, Doom, il a mangé le chat. Et ouais, non, là, il menace. Tu menaces qu'à faire encore? Non. Bon, là, il est tout sage. Hein. Vous avez vu, là, quand il est tout mignon. Hein. Ouais, il menace. Ouais, grave. Ouais. Et donc il va sauter sur le dos de Maya. Ouais, mais il me faisait ça quand il était tout bébé. Ouais, tout bébé, il faisait ça. Mais je pense que là, en fait, il va rester calme. Ensuite, il va se mettre à miauler, comme je connais, et il va me dire, fais-moi sortir. Je pense. Ah, bonsoir Cafa, comment tu vas? Waouh, t'es trop gentil, merci. Bonsoir. Ça va Cafa? Oui, ouais, grave. Dites, alors bah, vu que vous êtes tous là et tout, est-ce que quelqu'un a croisé Gastro sur le net? Je lui ai envoyé un message hier, j'ai pas eu de nouvelles, donc j'espère que tout va bien. Ouais, tu vas bien, Cafin? Ouais, cool. Bah tous, j'espère que vous allez bien. T'as loupé le chat, t'as fait. Ouais, le chat, ouais, t'as fait. Il t'a fait un petit signe, Cafin. Ok, bah attendez. Du coup, on va mettre le petit marron ici. Je vais juste le rincer. Et comme ça, donc lui on l'oublie et après on s'attaque à la bolo parce qu'il faut quand même que ça revienne un peu. Et donc, ouais, oui, ça va, Pena. Bonsoir Manon, comment ça va? Bonsoir Vétéran, comment ça va? Merci. Oh, merci Fantou. Merci Fantou pour les cheers. Waouh, t'es trop gentil, merci. T'aimes bien la cuisine? Ouais, merci pour les cheers, super gentil, merci. Ouais. Il te persécute. Alors attendez, une planche. Mais il est mignon, bébé. Après, c'est vrai, j'avoue, c'est un petit connard, mais voilà, il fait dans le dos en fait. Voilà, il est dans le dos. Voilà. Je vous dis, prochaine étape, il va miauler. Et prochaine étape, je vais vous dire, je n'en peux plus. Je vais lui ouvrir. Ça va, Manon? Comment tu vas? Alors, du coup. Donc on passe au potimarron. En fait, je kiffe le potimarron. Donc, il m'en restait d'hier et tout. Donc, ce midi, j'en ai mangé. Franchement, froid, chaud, c'est juste trop bon. Bref. Et donc, ça va, toi, maman? Ouais, ça va, Veterland. Oui. Bah, écoutez, la journée s'est bien passée. J'ai rien à dire. La journée s'est très bien passée. Ouais, quoi dire sur la journée? Bah, écoutez, si, tout va bien. Ouais, il y a bébé, ouais, grave. Bon, pour l'instant, il est calme. Hop. Attendez. Hop. Ouais, par contre, ça reste toujours. Hein. Ça reste toujours aussi compliqué à éplucher. Hein. Là, je vais pas mettre de matière grasse, rien du tout. Je vais le mettre comme ça. Hop. Et les enfants. Ouais, alors, bah, Loulou, du coup, bah, les enfants, ça va. Ouais, ils ont été mimi. On a commencé. Bon, en fait, on a commencé le projet Mythologie grecque. Donc, du coup, ils étaient à fond et tout. Voilà. Donc, là, du coup, ouais, c'était bien. Ils ont bien bossé et tout. Il n'y a pas eu trop d'accidents en cours de récréation, ce qui veut dire que ça va. Non, bah ouais. Non, franchement, la journée était bien. Ouais, sauf ce midi. Bon, en fait, je suis pas restée longtemps, en fait, salle des maîtres.
parler. J'avais pas envie de parler, mais c'est fou en ce moment, je n'ai pas envie de parler. En fait, je crois que je suis un peu, je suis pas déprimée, mais voilà, je veux faire autre chose que parler des problèmes des enfants et tout, le midi quoi. Ouais. Donc j'ai déjà travaillé du cardon. Ah, et t'avais fait un gratin avec. Ah bah voilà, fait la fois, tu vois. Bah voilà, je me suis dit qu'on va essayer. On va. Bonjour ma couille, comment ça va? Oui, ça va? Bonjour Sultan, comment ça va? Ouais, je suis trop contente, vous êtes là. Mais c'est un légume breton aussi. Non, c'est pas breton en fait, ça vient du côté de Lyon. T'avais fait en Savin? Ouais, il me semble que c'est du côté de Lyon. Mais attendez, j'ai vu la bête. Voilà, comme ça on oublie. La bête en fait, elle fait cette taille-là. Hein. Elle fait 1m50, 2 mètres. Donc là en fait, on a juste le bas. On a juste le bas, mais par contre, vous avez. Donc là, c'est le bas. Et là, vous avez les feuilles qui viennent jusque-là, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc. Ouais, c'est. Vous avez un taux de perte de combien d'enfants? Ah, pour les récré, non, ça va, cafard. Moi, au niveau des enfants, ça va. Je sais le moindre truc qui se passe. Donc, j'ai pas de perte pour l'instant. Et je suis celle qui mate le Night City Wire de Cyberpunk. Alors, attends, c'est quoi? Il y a une série? Et tant de cœur, des bisous. Ouais, ça réchauffe le cœur, je suis d'accord. Ouais, merci vétéran, t'es gentil. Ouais, merci vétéran, t'es gentil. Et j'ai pas vu. Ah, oh, j'ai pas vu Vince. Alors, j'ai pas loupé Pénard Prat, tu lui as dit bonjour. Et Vince, je t'ai pas vu. Oh, bonjour. Waouh, bonjour Vince, je suis désolée, je t'ai pas vu. Ouais, coucou. Bah oui, c'était juste en dessous de ça va, toi, ça va et toi, maman. Ouais, voilà. Bah, désolée. Pardon, Vince, pardon, pardon, pardon. Ouais, un futur jeu. D'accord, ok. Un pur jeu qui sortira en 2021. Et ça s'appelle comment? Matt, le Night City Wire. Ok. D'accord, ça parlera de quoi? Non, je suis pas encore bourrée. Arrête! Non, je suis pas bourrée. Ouais. Non, Pénard Prat, je t'ai dit bonjour, je crois. Non, non, j'ai dit bonjour. Ah, Cyberpunk. Merci, ma loulou. Donc, en fait, c'est pas tout ça, c'est juste Cyberpunk 77. Il se cultive beaucoup dans les pays du Moyen-Orient. Ah, ok. Et Prosecco. Ouais, non, Doom, il n'y aura pas de Prosecco ce soir. Non, ouais. Non, on attend le week-end avec impatience, hein, on attend demain. Hein. Alors, du coup. Nous partons sur le cardon. Je vais couper le bas parce que vous avez vu, en fait, il a noirci. Je vais couper des parties. Et après, il faudra l'éplucher, en fait. Mais en fait, il s'épluche comme le céleri, d'après ce que j'ai compris. Ouais, voilà. Donc, attendez, j'enlève le bas. Et après, on passera à l'épluchage, mais avec l'économe. Alors, attendez, avant de faire ça, parce que ça, du coup, on va lancer la bolo comme il fait une bonne heure. Ouah, bonsoir Gastro, ouais je m'inquiétais, cool, bon bah cool, yes, coucou Gastro. C'est possible qu'elle ait picolé, ah non j'ai pas picolé aujourd'hui. Non par contre j'ai pris du café, ça c'est sûr, oui j'ai pris du café, et non j'ai pas picolé, dommage hein, ouais. Bah écoutez, la viande je l'ai sortie, donc on va lancer la boulot rapido, oignons, carottes, bon je vous garde avec moi là. Hein. Tu n'as pas eu le message que je t'ai envoyé? Bah parce que je t'ai pas vu, là ça faisait deux streams et pareil, j'avais regardé le stream de Score de la Manche, je sais plus. Je t'avais pas vu non plus. Donc du coup, t'as pas eu mon message? Donc là, on va couper juste en petits dés. Et même un petit gère avec un petit. Non, non même pas, Gastro. Non, non, puis je vous ai dit, hein, l'équipe cette année n'est pas très alcool. Hein. Donc, non, non, non. Non, non, ils font tous. Ouais, pas très alcool. Voilà. Donc, c'est moins funky, quoi. Bah, en fait, les autres années, il y avait la directrice qui était beaucoup. Pas celle de l'an dernier, mais celle d'avant qui était plus âgée que nous. Puis pareil, en fait, il y avait ses collègues, bah, elle se connaissait depuis au moins 5-7 ans. Bon, elle, du coup, elle picolait pas mal, quoi. Donc, du coup, il y avait souvent du vin. Ça, oui. Ouais, les branches de céleri. Ouais, les branches de céleri. Attends, merde, pourquoi? Non, non, juste pour savoir, en fait. Ah mince, non, attends, je regarde. Oui, ouais, j'ai envoyé sur le Discord. Allez, vite, vite. Mais où le message? Tu l'as pas? Ben, tu sais, dans mon Discord, j'écris la gastro en fait. Tu sais, en MP? Ouais, c'est ça. Ben, quand je reviens dans Discord, en fait, je sélectionne gastro.
Un plat? Ouais, t'es là en fait. Et là, t'es en ligne. Et hier à 13h57, je l'ai envoyé. Bon, bref, c'est pas grave. C'était ça. Je croyais que. Non, bah, le céleri, ça sert beaucoup à aromatiser. Après, franchement, comment on appelle ça? Pas une brandade. Une rémoulade de céleri. C'est pas mal, c'est bon. La crème fait grossir, mais c'est bon. Ok, bon bah voilà, là on est avec nos carottes, c'est bon. Et vous pensez que je vais me planter le royal en faisant un dessert sucré? Un dessert avec le cardon? Et je croyais que tu avais brouté quelque chose. Ouais, d'accord. C'est du genre qu'elle a connu l'école où il y avait. Ouais, il y avait du. Bah non, pas moi. Non, non, pas moi. Mais par contre, la directrice dont je vous parlais, qui elle, où il y avait beaucoup de vin et tout, effectivement, elle a connu l'école le midi. En fait, ils avaient du vin, les enfants. Bon, c'était dilué dans de l'eau et tout, mais ouais, effectivement, elle avait du vin. C'est marrant ça, hein, que les gosses, c'était pour les verres, pour qu'ils restent tranquilles l'après-midi, quoi. Pour qu'ils dorment un peu, quoi, les shooter. Grave. Que j'étais. Ah non, elle a dit que t'étais une crotte de chien. Attends, je comprends, boire un verre, ça revigore. Ouais, complètement. Ouais, t'es dessus? Oui, donc normalement, t'as mon message, garçon. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour, Alphabosdim. Alors, ce colon. Oh, merci, Alphabosdim. Eh ben, écoute. Bah, écoute, ce colon va bien. Par contre, en fait, je vous promets, hein, il m'a trituré et j'ai hyper mal. Hein. J'ai encore mal. Donc, ouais, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Merci, Jewels, 80 pour le follow. Ouais, donc là j'avais encore. Non, je me suis mis de l'eau. Ouais, donc aujourd'hui j'avais encore un petit peu mal. Bonsoir, Jewels, merci pour le follow, c'est gentil. Mais artichaut, je suis pas certain. Ah, un dessert au goût d'artichaut léger, mais artichaut. Ah, t'es pas. Ouais, ok, d'accord. Bon, je vais essayer de. Et après, le goût artichaut est faible. Ok, d'accord. En fait, bah, Doom, ouais, je vais essayer de l'atténuer. Merci, Doom, pour les cheers. Arrêtez, vous êtes trop gentil. Oui, il a passé mon message. Oui, je l'ai bien reçu, le message. Ouais. Et du coup, bah, en fait, bah oui, je vais en trouver un, en fait. Ouais, je vais en trouver un. Voilà, du coup, voilà. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est prêt. Bonjour, l'artiste Dinette, comment ça va? Et la cuisine? Ah, c'est ton péché mignon. Alors, sache que. T'es cuisinier ou pas? T'as trouvé du yuzu? Ah, moi, j'ai vu, attends, j'ai vu, là, il y avait une publicité. Un yuzu, c'était 5,90. J'ai dit, ok. 84. Et par contre, j'ai vu la petite bouteille de yuzu, là. J'hésite à l'acheter à chaque fois. Elle est à 9,90. Vous savez, dans l'épicerie chinoise. Ah, t'es autodidacte. Ouais, moi aussi, Jewels, autodidacte. Ouais, c'est cool que tu sois là, petite Dinette. Et donc, du coup, environ 30 euros le citron, je crois que je vais. Ah, 30 euros le citron! Truc de fou! Ouais, c'est cool de cuisiner, hein. Vous avez vu les pubs? Ils commencent. En fait, j'ai vu dans des encarts, en fait, où il y a écrit hashtag je cuisine maison. Et c'est des publicités de l'État français. Ouais. Donc, ouais, apparemment, ils veulent que les gens se mettent à cuisiner. Les carottes sont prêtes. Je vais lancer la poêle. On va préparer nos petits oignons. Je prends une autre planche. Allez, hop. On va s'activer un petit peu là. Oignons. Et faut faire gaffe. C'était bien ta session avec Philou et Hélène. Ouais, alors tu vois, un peu mitigé. Avec Philou, déjà, en fait, c'était vachement décalé. Donc, t'avais pas. Le son n'était pas terrible. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Le son était en décalé. Après, la bûche, c'était cool. Voilà, bon après ils ont dit, ils ont expliqué comment ils faisaient la bûche. Après, bon, c'était pas forcément à mes goûts, mais bon, en fait, c'est bien, il y avait, tu sais, bah, la technique, en fait, comment tu fais le gâteau. Là, il y avait le truc, la chantilly caramel, donc ça, c'était pas mal. Voilà, par contre, en revanche, Hélène Darroze, c'était pas terrible. Ouais, c'était pas terrible, donc du coup, j'ai eu un mail ce matin pour, si vous souhaitez revoir la diffusion de la conférence, j'ai supprimé direct, en fait. Ouais, il y avait pas bah, avec le confinement, il y a pénurie de boîtes de conserve de raviolis. Donc ah bah oui, c'est ça, exact. Allez, on cuisine. Ouais, mais complètement. Et quoi, tu roules à droite chez Wells? Ah, attends, à droite. Et donc après le cardon, c'est très amer si tu veux blanchir avec de la mie de pain et du jus de citron. Pour le dessert? Ok, et tu penses que dans un lait végétal, ce sera pas suffisant? J'ai pas de pain en fait. Par contre, je rajouterai du citron. Attends, du citron. Ouais. Je voulais le faire en fait dans du lait végétal et du café.
Ouais, le truc d'Hélène, je suis d'accord, c'était pas terrible. Franchement, je sais pas s'il y a eu des échos aujourd'hui sur Internet, mais même les gens n'étaient pas contents. Hein. Bon, au début, ils s'impatientaient un peu. Elle est zéro, Hélène. Ah ouais, c'est vrai qu'à part, tu l'aimes pas trop? Ouais, et donc du coup, bah, les gens, ils demandaient. Par exemple, elle avait parlé du foie gras qu'elle faisait et tout, et puis les gens écrivaient dans le foie gras. Bah, la recette, la recette, la recette, et en fait, elle a donné aucune recette. Et à la fin, je crois que c'était pour. J'ai pas regardé à la fin, j'ai coupé à 35, j'ai dit c'est bon. J'ai. Bah, bref. Après, elle a dit des trucs qui sont intéressants, mais bah prendre voilà les légumes du marché, enfin les locaux, enfin voilà, ça tout le monde le sait quoi, je sais pas. Voilà. Après, elle a parlé de quoi? Elle utilise beaucoup la graisse de canard en cuisine. Voilà. Enfin bref, des trucs comme ça quoi. Tim Lally, attends, Hélène Rolls, ouais. Ah, Hélène Rolls, ouais. Mais j'avais son CD quand j'étais petite. C'était quoi? Je m'appelle Hélène. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, Vince, exactement. Et le cardon sultan, il est là? En fait, c'est un légume ancien. Donc, c'est Doom qui me l'a imposé en ingrédient. Du coup, j'ai réussi à le trouver donc, au marché. Parce que j'ai cherché pendant un moment, je n'ai pas trouvé. Normalement, il fait cette taille-là. Donc, voilà. Normalement, il vient jusque-là. T'as le feuillage et tout. Et du coup, apparemment, ça goûte l'artichaut. Je ne connais absolument pas le goût. Donc, je vais voir. Ouais, la graisse de canard. Ouais. Bah, donc, elle cuisine beaucoup avec la graisse de canard. Voilà. Après, je sais que oui, c'est vrai qu'avant, quand je faisais, vous savez, les souris d'agneau. Bon, avant, je mangeais, bon, ouais, la souris d'agneau, j'ai kiffé ça. Donc, du coup, il fallait mettre de la graisse de canard avant. Bonjour, Soël, comment ça va? Ici Rio. Ouais, coucou Rio, comment ça va? Team Lali? Ah ouais? C'est fou, il y en a plein qui kiffent Lali, quoi. Moi, c'était pas ma. De toute façon, non, qui j'aimais bien? Marilyn et les garçons. Non, moi, ce que j'aimais bien, c'était Bénédicte. Ouais, je la trouve plus jolie que les autres. Lali, ah ouais, bon. Mais c'est vrai qu'il y en a plein, c'est Lali. Salut, ouais, ça va? Et donc j'invoque votre immense savoir concernant le grain. Auriez-vous l'envie de m'accorder quelques minutes afin. Vas-y! Vas-y, Rio! Bon, il y a deux mémoires qui pourront t'aider, hein. Ouais, non, elle est. Ouais, c'est ça, elle est des lampes, ouais, c'est ça, exactement. Donc, non, non, bah voilà, donc c'est foie gras et graisse de canard et tout ça. Mais après, tu m'étonnes, hein, tu mets de la graisse de canard dans un plat, forcément, ça va être bon, quoi. Bah, aussi, Rio. Attends, quoi? J'ai son père qui a un restaurant chez mes parents. Ah ouais, trop bien! Son père aussi cuisine, tiens, je savais pas. Et je parle d'une pré-cuisson, pas forcément pour enchaîner avec le. Ah, d'accord, ok. Alors, j'ai pas de mie de pain, par contre, Peter Pratt. C'est que cela pourrait en plus enlever l'amertume. Ouais. Donc, en fait, je vais juste les faire blanchir. Ok. Je les fais blanchir et après, je les fais revenir. Ok. Ouais, et de toute façon, je vais faire blanchir aussi. Non, pas pour le lasagne, ça restera comme ça. Est-ce qu'il faut le faire cuire avant? Non, je crois pas. Non, on va pas le faire cuire avant. Lasagne, ça reste comme ça sera surtout pour le dessert en fait. Et la poêlée, là en fait, non, j'ai vraiment le goût, donc du coup, on va le laisser comme ça. Ok, merci, Pénard Pratt. Merci, merci. La graisse de canard est pas si mauvaise tant que. Oui, c'est ça, Vince, exactement. Le meilleur, c'est clairement. Ah! Sur une tartine de Nutella. Ouais, bof, hein, Castro, hein. Ah ouais, donc le sondage. José, ah non, José, il était pas beau. A mis ça? Qui a mis ce sondage? Pourquoi vous mettez José là-dedans? Moi, c'était Béné. Voilà. Hop là. Bon, allez, du coup, je mets les oignons. Bon, il y a plein d'articles qui sont en train de sortir sur le fait qu'il y a des gens qui sont en train de faire du burn-out, les dépressions et tout. Vous êtes en dépression, vous, le confinement, ou ça va? Je sais pas, c'est chelou. Vous me dites, hein, parce qu'apparemment, il y a je sais pas trop qui est en train de s'exprimer. Vous me dites si on apprend quelque chose. Vous avez vu que les salles de sport n'ouvrent pas avant janvier? Je suis dégoûtée. Bon, en même temps, ça me laissera le temps de faire mes examens. Ce sera très bien. En fait, je me dis au final. Voilà, petite période de repos. Bon, là, j'enlève cette partie-là. Par contre, ça noircit rapido. Alors, on va éplucher. Alors, donc apparemment, il faut enlever bien, bien toute la peau parce que c'est pas du tout. Ouais, ça ressemble trop au céleri en fait. Hop là. Attends, maison Claude Darros. D'accord, je savais pas, ouais. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, cafard. Oui, bah c'est ça en fait, exactement. Les gens sont tellement fragiles. Bah en fait, moi je pense que les gens, tu les mets une semaine avec eux-mêmes en tête à tête. Les pauvres, ils dépriment. Alors qu'au contraire, c'est le moment de faire plein de choses. Mais il y en a beaucoup en fait qui ont besoin de d'autres personnes. Ouais. Bon, après, ça dépend des gens, quoi. Ils ont besoin de sociabilité.
Et donc, c'est de la gymnastique déguisée. Ouais, mais... ouais, c'est clair, Jewels. Bah, surtout quand t'es en cuisine et tout. Alors, du coup, je sais absolument pas si je... Je sais qu'il faut l'éplucher comme ça. Attends, on va encore enlever les fibres. En fait, il faut y aller petit à petit. Je suis pas sûre de tout cuisiner, hein. Ouais, il faut y aller petit à petit. Ah, bah, attendez, je vous montre avec moi. Bah, là, la partie, non, elle est pas bonne. Hein. Bon, j'espère qu'il va rester quand même un petit peu, qu'il est bon, hein. Allez, je vous passe avec moi. Alors, du coup, attendez, je remonte. Dépression totale, ça, c'est un imbécilité. Ouais, ma couille. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y en a parfois. Ouais, on n'a pas de chance. Hein. Ouais. Non, moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui arrivent le matin, bah, là, au boulot et tout, et qui râlent, en fait, parce qu'ils étaient dans les bouchons. Ah, ok, bon, t'étais dans les bouchons, bah, et voilà, c'est bon. Arrête de râler, ramène pas des ondes négatives, quoi. José, il a les cheveux longs. Ouais, donc ça peut faire penser à une fille. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, Bigfoot. Mais je pense qu'il y a personne qui aura. Mais il y en a un quand même qui a sélectionné José. Hein. Du coup, j'aimerais cuisiner des petits trucs sucrés, genre gâteau friandise à picorer, Covid oblige. Sauf que j'ai un collègue allergique, intolérant au gras, au beurre, chocolat, fromage et autres joyeusetés. Ah ouais, du coup, tu peux remplacer. Tu sais, ton beurre, tu peux utiliser. Je sais pas s'il est allergique aux oléagineux. Purée de noisette, tu peux. Purée de noisette, sinon, ouais. Ah bah non, il est intolérant au grain. Oh, ça va être compliqué de faire une recette gâteau sans grain. Attends, je réfléchis pendant le stream, soigne. Rio, oh là là. Beurre choco. T'as la tartelette. Ouais, même dans la poudre d'amande, t'as du grain. Faudrait que tu fasses un truc à base de farine. Attends, c'est chaud. Sinon tu fais gourmandise friandise, mais non, non j'allais dire tu sais les noix de coco, les boules de coco avec la crème de coco et des noix de coco râpées, mais du coup bah il y a du gras dedans, mais il y a du gras partout en fait. Donc la mie de pain, la partie de capturer l'amertume. Oh d'accord, pour le chou-fleur, pour les potages, mais sur internet simplement blanchir à l'eau. Ok merci Peinard Pratt, ouais ça marche, merci merci. Ok, avec du Saindoux dans le café. Ouais, bah oui, et de l'agneau, hein, Vince? Ouais, on met de l'agneau aussi, hein. Ouais, et donc on a... Ouais, bah la France, et puis il continue à dépenser, ouais. Ah, donc du coup, c'est pas... Ah, donc déjà, c'est pas Bigfoot qui a fait le... Ouais. Et donc sinon, potimarron aussi, et betterave, tu sais, ça remplace dans les desserts. Attends, je suis en train de voir. Ouais, patate douce, t'as potimarron, t'as la betterave, t'as la courgette, bah les cakes au chocolat, là. Mais du coup, dans le chocolat, il y a du gras aussi. Ah, le sondage est faux. Oui, t'as vu, ça ressemble à la rhubarbe aussi, au JOS. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Rhubarbe, exactement, et céleri. Bon, écoutez, lui, on l'a épluché. Je vais continuer avec celui-là. Je voulais faire des tranches, là, pour les lasagnes. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Hein. J'en avais un max. Bon, on va essayer quand même avec les petits bougers. Très bien. Mais en fait, ça noircit hyper rapido. Maïté, des mochis. Farine de riz, pas de beurre, tu regarnis ce que tu veux. Fruits. Ah, pas mal. Ouais, les mochis. J'en ai jamais cuisiné, il faudrait que j'essaye. Bon, bah écoutez, ça va être pour mes lasagnes. Mais je comprends pas, ça noircit de ouf. On va sortir du citron là, je vais en mettre un peu dessus. Bon, après, vous me direz, ça va dans le gratin, donc c'est pas très grave. Mais bon, j'ai pas envie que ça devienne noir avant qu'on ait mis. Et il y a des carottes gastro. Bonjour Lucky Red. Ouais, ça va? Il y a des carottes. Oui, il y a des carottes dans la bolo. Oui, on en fait la bolo, il y a des carottes. Ok, bah écoutez, ça, du coup. Normalement, il est bien épluché. On va le mettre là. Lui aussi, je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Du coup, on va faire des tranches. Là. Donc, ça sera mes pâtes à lasagne, en fait. Hein. Ok. Je laisse ça comme ça. Et donc, Alphabosu, il a dit quoi? Même si elle n'a pas vu, ça compte pour le plus 1. Attends, j'ai pas vu quoi? Ouais, même les haricots. Mais oui, complètement. Mais oui, en plus, ça a un goût. Oui, complètement. Les haricots, c'est un dessert. Hop.
Et du coup, les dorayaki. Sinon, tu peux faire des. Dans les crêpes. Dans les crêpes. Des crêpes. Ouais, crêpes. Le cloud bread, là, du coup, c'est. Non. Ça, c'est plutôt ce salé. Alors, on continue sur celui-ci. Lasagne, ouais, ça, surtout que ça sent cramé aussi. Voilà. Donc on va mélanger un peu les oignons. Voilà, c'est bon. Et attendez, je mets les carottes. Bon, mais écoutez, pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc nous avons nos lasagnes qui sont en route. Hein. On pousse. Et là, donc les carottes au milieu. Voilà. Et donc ça marche Rio. Je sens que tu veux lui défriser le persil. Attends, à qui? Désolée, pour les plats. Ouais, j'ai pas vu les préparations russes. En fait, j'ai mis Scordé la mort et du coup, j'ai pas regardé. Hop. Allez. Très bien. Bon, c'est compliqué en fait à éplucher, hein. Autant vous dire que. Alors, je vais enlever la première couche là. Ouais, ça c'est bon. Et du coup, je récupère ça. Voilà. Il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Voilà. On remet un petit peu de citron parce qu'il ne faut pas que ça noircisse. Encore cramé. Non, ça va cramer le carré. Pas comme la dernière fois. Mais j'avoue, le petit marron, il est au four, hein. On l'a pas surveillé, il a 200. Attends, hop. Non, ça va, il est bien. Il est en route. On est bien. Alors, on va continuer avec celui-là. Bon, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, le cardon est très bon pour le foie. Bonjour, KCBZH. Ça va? Moi, non, on va essayer de pas cramer quand même. Allez, non, non, pas aujourd'hui. Voilà, donc en fait, du coup, pour le dessert, on fera un petit crumble. On verra ce que ça donne. Ouais, c'est hyper fibreux. Donc en fait, du fait que ce soit fibreux et tout, ça va stimuler votre, comment ça s'appelle, votre système digestif. Du coup, c'est hyper intéressant. Bah, c'est un peu comme, bah, il y a le poireau aussi qui est intéressant pour ça. Les fibres, du coup, comme il y a plein de fibres. Voilà. Bon, bah écoutez, là les fibres elles ont été enlevées de ce côté. On va éplucher de l'autre côté. Alors me prévoir. Non, arrête, pas d'extincteur. Non, non, c'est bon. Non, non, pas aujourd'hui. C'est bon. La journée s'est bien passée. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle. Non, non. On va éviter de cramer où je suis. Hop. Non, est-ce qu'on se disait, franchement, nous on n'a pas de cas de Covid en fait. Si la seule personne qui est Covid, c'est le gardien, mais du coup il a été mis à l'isolement. Mais ouais, au niveau des enfants, bah je ai déjà parlé hier. En fait, je me répète. La vieille, quoi. Hop. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait. Ah, et j'ai regardé, en fait, vous avez vu les gels hydroalcooliques, là, je sais plus, j'ai vu ça dans Yann Barthès. Non, c'était Yann Barthès. Non, c'était Anouna hier soir. Ouais, je suis tombée dessus, donc du coup, j'ai regardé parce qu'il parlait du gel hydroalcoolique. Donc, ceux qui sont efficaces, c'est minimum 60. Hein. Donc, ce matin, je suis arrivée direct en classe. J'ai été regarder ce gel hydraulique. Ça va, on est à 67. Je me suis dit, après les masques, est-ce qu'ils nous auraient pas fait du gel hydraulique à 2 balles? Non, ça va. Et tu crois... Ouais, il est mis à l'isolement. Enfin, pas à l'isolement, mais tu m'as compris, tu sais, il est mis voilà, en quarantaine. Ouais, voilà. En plus, le pauvre, parce qu'il était... Déjà, à la base, il était hyper flippé, parce qu'il a quand même des soucis de santé et tout. Et du coup, en fait, sa femme l'a chopé et hop, elle lui a refilé. Ouais, pas de bol. Mais ça va. C'est le gel hydroalcoolique, c'est pas ça? Ouais, 7% près, t'as vu le Kired? Mais normalement, ouais, il doit y avoir plus de pourcentage. Voilà, bon, en tout cas, j'étais un petit peu... Faut pas le boire. Non, non, je... Pendant la journée, gastro. Ouais, merci pour le cardon. Oui, du coup, le cardon, en fait, est très peu calorique. Donc, du coup, voilà, c'est un légume qui reste hyper intéressant. Voilà, si vous aimez le goût, j'ai pas encore goûté. Je vous dirai. Mais je pense que ça sera bon, en fait.
C'est un peu comme le radis noir. Enfin, le radis noir, au premier abord, en fait, on a un... Ouais, on peut être un petit peu... Mais après, assaisonné et tout, c'est juste hyper bon, quoi. Très bien. Bon, bah écoutez, là, on a des jolis morceaux. Je pense que ça va nous suffire entre le dessert... je sais pas ce que je vais faire du reste. Ok, donc là, ça va faire mon gratin. Allez. Ok. Là, c'est bon, c'est épluché. Voilà. Et le dernier. Bon, lui, je le garde comme ça. Et donc, tu peux dire... Oui, c'est vrai, Loki. Ouais, ça marche. Hydraulique, c'est les véhicules. D'accord, mince, c'est pas hydro... Ah, c'est hydroalcoolique, pardon, désolé. Oui, c'est bien pour la précision. Bon, alors, ceux qui nous rejoignent, J-Wells, je te présente Jean-Michel à peu près. Tu verras que vous m'aidez beaucoup à préciser mes mots. Pour une maîtresse, c'est un peu compliqué. C'est un peu... je sais pas comment on dit. Ouais, je sais plus. Bah, c'est comme les cordonniers. Ouais, bref, je sais plus c'est quoi l'expression. Voilà. Bah, ça commence en fait, ça y est. Donc, l'hydraulique de la racine. Ouais, merci les gars. Je sais, en plus, hydro, c'est l'eau. Hein. Ouais, attends. Donc, du coup, je me suis trompée. Merci, Wikigastro. Ouais. Attends. J'ai pas compris. Alphabosim, donc Maya, c'est pas ta faute, tu t'es juste trompée. Ouais, merci, merci Alphabosim. Ouais, grave. Ça arrive à tout le monde, hein, on est d'accord. Hein. Arrête, Lucky Red. Non, il sera pas cramé. On va essayer de pas cramer. Bon, allez, j'en fais encore un quand même. Bon, du coup, je vais finir celui-là. Je vais vous reprendre avec moi parce qu'on va terminer la bolo. Là, je sens que voilà, les petits légumes, ils sont revenus. Ouais, non, non, on va... c'est pour ça. Ouais, merci, merci. Ma chaussée. Oui, les cordonniers, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc nos petits légumes sont mis. Du coup, on va mettre la viande. Bah, je l'ai sortie, hein, ça fait un petit moment. Donc, viande hachée, du coup. Bon, il y en a pas mal. Hein. Donc on laisse la viande hachée légèrement et après on cirée. Et c'est super. Ouais, la sauce bolo. Ouais, grave. Et du coup, ça me fait penser, j'ai pas sorti la sauce. Alors, on est... Allez. Ok, j'ai pas de sauce. Très bien. ouais, ok. Donc la sauce, en fait, elle est pas là. Donc du coup, je vais mettre des... Et tu vas faire Koh-Lanta. Non, pourquoi tu veux que je fasse Koh-Lanta? est-ce que je... Ouais. Non, je peux pas au niveau de la boue. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Bon, du coup, je vais m'écrire, en fait. Ça, c'est pas... Ouais, non. Ouais. Non, Koh-Lanta, ça m'intéresse pas. futur ministre, tu sais pas mettre un masque, j'espère. Attends, futur ministre. Je suis pas sûre que ça m'intéresserait. C'est comme directrice, en fait, directrice d'école. En fait, c'est trop de relationnel. Moi, je veux pas. Je suis bien dans mon coin. Ouais, ministre des Affaires étrangères. Ouais, je pense que là, je risque de... Ouais, très drôle, mais merci Bigfoot. Merci, merci. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train de dire qu'il y aurait beaucoup de soucis. Ouais. Ouais. Merci les gars. Non, donc du coup, ouais, c'est vrai que... Bah, du coup, on m'avait... Bah, je vous avais dit qu'on m'avait proposé directrice. Enfin, on voulait que je sois directrice. J'ai dit niet. Moi, je suis bien. Je suis avec mes élèves, ça me suffit. Ça semble bon. Chargée de relations diplomatiques. Ouais, surtout en cuisine. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Non, elle va faire des incidents. Ouais, bah voilà, c'est ça. Exactement. Bon, je continue d'éplucher hein, pendant que je vous parle. Là, on est plutôt bien. Très bien. Je vais lancer une casserole d'eau chaude, comme ça, du coup, on va blanchir hop, une partie des cardons. Du cardon. Ouais, on va prendre ça. Il arrive pour le dessert. Oui, voilà, c'est ça exactement qu'à faire toutes les histoires, en fait. Parce qu'en fait, moi, je vois le directeur tous les soirs, hein, quand je pars et tout. Il est forcément avec un parent, quoi. Et ça, je peux pas, en fait.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai mis l'eau à chauffer. La bolo est en bonne route. Il y a une tonne de viande par rapport aux légumes. Bon, bah c'est pas grave. Et non, l'eau qui reste, en fait, je suis maîtresse en élémentaire. Du coup, j'ai des CE1, CE2. Qu'est-ce qu'ils sont bons, franchement. J'ai pas envie de me la péter. Mais CE1, CE2, franchement, ils sont hyper bons. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, j'ai pas envie de me la péter. Hein. C'est pas moi. C'est, ouais. Je les avais aussi l'an dernier, donc du coup. Hein. Voilà, mais franchement, c'est un truc de fou. On avance à une vitesse. Meilleur que. Ouais, bonjour Marianas, bonjour le Souja, comment ça va? Ouais, et. Bah, en fait, même, vous savez, celui qui était un petit peu en retard et tout. Ouais, là, il a gagné en confiance aujourd'hui. Oh là là, je lui ai dit. Donc, bah, et en fait, bref, il est responsable de rang et tout. Et il m'a scotché, en fait. Il a comment. Et puis, en fait, avant, il n'avait pas confiance en lui, donc du coup, on n'écoutait pas. Et là, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui bronche. Et je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc, du coup, il a pris confiance en lui. Et franchement, génial, génial, génial. Voilà, donc c'est trop bien de les voir évoluer en fait, parce que du coup, bah, moi, je les ai vus fin, début CP, quoi. Trop bien. Enfin, bref, voilà, c'est. Oui, bah oui, franchement, oui, c'est vrai que j'avoue, j'ai un peu le melon. Mais mes élèves sont excellents. Alors, la compa. Enfin, voilà, je vous ai dit qu'il y avait un nouvel élève qui était arrivé. Donc, pas celui qui est performant, la note. Enfin, bref, j'ai pas dit prénom. Pas celui qui est venu de la classe de CP, mais il y a un élève qui est venu d'une autre école. Et du coup, en fait, bah, le pauvre, il est un peu largué dans tout ce qu'on fait. Bon, c'est le seul, hein, mais je pense qu'il va arriver à niveau. De toute façon, on va faire en sorte qu'il arrive à niveau. Et du coup, il y a. Voilà. Là, je vois vraiment le niveau CE1, en fait, avec cet élève-là. Et je vois le niveau de mes élèves, quoi. Ça me gagne. Ouais, ne faites pas enseignant, en fait, c'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, bossez, bossez, ne faites pas enseignant. Ouais, ne faites pas enseignant. Hein. En plus, j'ose même pas imaginer les enfants dans 15 ans. Je sais pas où on sera, mais voilà. Déjà qu'aujourd'hui, ils sont pas faciles. Non, et du coup, attends. Et donc, ouais, même pas 2000 euros, tu rêves. Moi, je suis à 1500 net par mois. Tu rêves? Je suis pas à 2000. Ouais, 2000 en brut, quoi. Hop. Ouais, je suis à 1500, ouais, c'est ça, à peu près. Mais avec les impôts, genre, on m'a pris les impôts. Voilà. Ouais, ils avaient peur. Ah, je l'ai vu, ce corps de la mort aussi. Hein. Bah ouais, il y a des parents, mais de toute façon, il y a des parents, oui, effectivement, qui jettent leur gamin. Ouais. Jeter, c'est une expression, hein, mais ils posent leur gamin, ils se barrent, en fait. Et ça. Ah, le directeur gastro, en fait, il va gagner. Bah là, en fait, notre ville, elle paye plutôt bien. Ça dépend des villes, en fait. Donc ça, c'est la mairie qui paye le complément. Et là, elle te paye 600 euros en plus par mois. Donc ça fait 600 euros d'emmerde en plus par mois. Voilà. Ouais, le directeur. Donc du coup, ouais, enfin voilà, ça peut être intéressant, effectivement. Mais du coup, ça m'intéresse pas. Voilà. Bon, bah écoutez, là, on a pas mal de cardons. On va s'arrêter. Et je vais gagner plus que toi en travaillant à l'hôpital. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, bah ouais. Non, non, bah nous, on n'est pas très bien payés, en fait. Et là, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais apparemment, là, les jeunes, en fait, ils vont être recrutés, ils vont être payés 100 euros de plus. Hein. Ils arrivent pratiquement à nous, en fait, à notre salaire, quoi. Ça me fait halluciner, quoi. Bon, c'est bien pour les jeunes, hein, mais c'est-à-dire que, voilà, s'ils décident de payer 100 euros de plus, les nouveaux arrivants, faites quelque chose quand même pour les anciens, quoi. Ouais, pour 600 euros. Ça ne vaut pas pour la tonne. Non, voilà, c'est ça, exactement, cafard. Exactement. Et c'est coup de fil à l'inspection, surtout là avec le Covid, le gars il a passé ses week-ends au téléphone, bah, les protocoles, les je sais pas trop quoi, les trucs administratifs, mais hors de question, hors de question. Moi c'est niet, niet, niet. Voilà, de toute façon je suis juste meilleure en maîtresse. Après en relation je pense que ça devrait aller, hein. Je pense savoir manager une équipe. Bah déjà pour manager une équipe, tout simplement on ne porte pas de jugement et on écoute la version de tout le monde, on prend parti pour personne, déjà. Si tout le monde respectait cette base-là, je pense qu'au niveau du management, on serait bien. Il n'y aurait pas besoin de formation, en fait. Ouais, je suis une ancienne. Attends, t'as pas un truc d'ancienneté? Bah, j'ai 5 ans d'ancienneté, en fait. Ouais, j'ai 5 ans d'ancienneté. Et la mutuelle, en fait, celle que j'ai, Wavin, c'est la MGEN. Mais attendez, là, je paye pratiquement tous mes médocs. Hein. Ouais. C'est pas la meilleure des mutuelles. Hein. Alors, attendez, j'ai juste. Ouais, on est hyper mal remboursé, les lunettes c'est remboursé que dalle, enfin voilà, enfin, en tout cas, on n'a rien quoi. Et on n'a même pas de visite médicale, c'est-à-dire, vous savez, dans le privé, en fait, vous avez une petite visite médicale une fois de temps en temps. Et ben là, non.
Tu peux faire 25 ans dans l'éducation nationale, il n'y a personne qui viendra te faire une visite médicale, quoi. Ok, bon bah écoutez, là on va rajouter. Donc j'ai un petit souci, je n'ai pas de sauce. Ça sent bon. Ouais, grave. Le botox est remboursé. Ouais, bonjour Tom le jardinier, ça va? Bon, on a notre cardon, il est là. Hop là. Du coup, en fait, ouais, il faudrait que je vois pour continuer d'éplucher, quoi. Pourtant, leur centre. Ouais, les centres de quoi, Vince? Ah, pour la MGN? Ouais, moi je suis pas mal remboursée. Alors, déjà que je paye combien? Je paye 50 euros par mois. 56 euros par mois. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être tout le temps, j'en sais rien. Ouais, grave. Il y a du management d'équipe. Non, mais en fait, c'est ça. C'est pas qu'il y a du management. Bah, en fait, il faut, hein, quand tu es directeur d'école et tout, si tu veux que l'école, elle roule, ouais, t'as un peu bien manager l'équipe et les relations entre les personnes. Et surtout qu'en maternelle, en fait, vous savez, il y a du personnel en classe. Il y a les ATSEM, enfin voilà, il y a les femmes de ménage, il y a les animateurs, il y a tout ça à gérer, en fait, quand vous êtes directeur d'école. Donc, du coup, oui, bonjour, Adrien. Bien le bonsoir. voilà. Donc, du coup, je n'ai pas de sauce tomate. On va mettre de la tomate. On va mettre des tomates. Ouais, mais elles sont pas mûres. Bon, autant pis. On va faire une de pois chiches. Très bien. Mais écoutez, je vais sortir parce que j'ai besoin des deux autres tomates pour faire autre chose. On va mouiller avec de l'eau et puis on va mettre nos épices. Et puis c'est bon, après on n'a plus qu'à oublier. J'adore quand il faut juste oublier. Et je vais dans deux, ils sont vraiment bien. Ah, ok, ouais, ça marche. Bah ouais, peut-être Vince, mais du coup, ouais, moi j'ai pas. Après, moi j'y vais pas, hein. Voilà, pour les remboursements, ils sont. C'est pas terrible, quoi. Et comment ça se fait que t'as la MGEN, toi? Mais non, mais n'importe quoi, bah Loulou, tu sais, c'est la formule, vraiment la formule basique, en fait. Bah écoutez, là je vais mettre les tomates, mais je pense que. Bah en fait, je me suis foirée parce que les tomates, je pense que j'aurais dû les mettre avant. Ouais, pour faire la sauce et tout, bah tant pis, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. On va mettre un bouillon aussi. Je voulais pas en mettre, mais là on va en mettre. Basique, ouais, je sais plus, il faut regarder le truc. Ouais, ce truc basique. Elle démarre au quart d'un tour. Voilà, ouais, merci Doc Pepper, salut, ça va? Bon, attendez, là, je mets les tomates. Voilà. Bon, ça va pas être une bolo du coup. Ouais, bah écoutez, on va mouiller avec un bouillon. Parce que du coup, bah, normalement, je mets pas dans la bolo, mais là, ouais, on va mettre. On va prendre un bouillon de poule. Voilà. J'ai même pas checké. J'étais sûre en plus. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez. Monsieur, attends, mais tu es obligé. Ouais, moi je suis Sultan. Non, alors en fait, je suis obligée pour la sécurité sociale de prendre la MGN, mais pour la mutuelle, je suis pas obligée. Mais du coup, j'ai fait ça il y a 5 ans. Je t'avoue que avant que je m'y replonge, hein. Ouh, on va attendre un petit moment. Bon, désolée, là je fais n'importe quoi. J'ai mis du bouillon. Je vais mettre de l'eau. Ouais, d'avance, j'ai toujours une sauce d'avance, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, là, on va mettre à fond des épices. Ouais, et j'espère que la tomate, elle va quand même donner du goût. Très bien, donc je pars sur hop, sur mes épices classiques. Bon, pas celle de la dernière fois. Donc, origan, romarin et thym. On va mettre les trois. J'ai pas fait la gousse d'ail, on va faire la gousse d'ail. J'adore le romarin, j'adore, j'adore. Donc romarin avec. Bon bref, 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 bref. Alors, ok. Du coup, on regarde le potimarron. Ouais, il commence un petit peu à cramer. Donc du coup, je vais l'enlever. Ouais, j'ai un économe spécial tomate. Non mais grave. Ouais, non mais grave, en plus c'est vrai. Alors donc c'est la MT, la MNT, et toi tu payes 35. Et t'es remboursé par les lunettes et tout? Non mais c'est ouf. Ouais, non, bah non, moi non, en fait moi non. Ouais, voilà, il faudrait que je change ça, quoi. Bah il y a plein de trucs en fait qu'il faut que je change. Avec la prime, maintenant t'as des dents en or compris dans le forfait.
Ouais, le logo à faire trois Doc Pepper comme ça, un vieux légume et tout. Du coup, c'est l'ancien temps, quoi. Ouais. Bon, avançons. Exactement. Alors, en vrai, tu aurais dû virer la peau en les passant à l'eau chaude, mais bon, t'auras un beau souvenir. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais, en plus, j'aurais pu éplucher la peau. Ouais, mais en fait, il y a lui. Je sais pas si tu connais. Ouais, je pense que tu connais. Bah oui. Attends. Donc, lui, en fait, il enlève la peau des tomates et des kiwis. Il est trop bien. Bah, j'ai même pas pensé, en fait. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, ça aurait été bien. Ah, mutuelle nationale territoriale. D'accord, ok. Mais si, Castro, je voulais pas montrer la viande. Si, si, il y a ce qu'il faut, là. Hein. Ouais, elle en est bien, hein. Si, si, j'ai pris 500 grammes de viande hachée. Ouais, là, c'est bon, hein. Allez, on fait notre ail. Et puis, bah, écoutez, notre ail, on attend que ça soit prêt. Comme ça, après, on compte une petite demi-heure. Ouais, une demi-heure, comme ça, après, on mettra au four. Et donc, ouais, voilà, ouais, ta vie, il est bien, hein? Ouais, c'est trop bien. Et donc, du coup, le kiwi aussi, en fait. Non, c'est pas ça. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que bah, le mercredi. Ouais, la viande hachée, enfin, c'est à moins 50. Donc, du coup, j'ai pris 500 grammes. Comme ça, du coup, j'en ai pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que je fais toujours mes menus, en fait. Bah, là, vous savez que j'ai à manger pour ce soir, demain midi et demain soir. Ouais, grave. Ouais, bah oui, je fais pour plusieurs repas, en fait, du coup. Tu veux la viande hachée? J'ai pas pu entendre vos suggestions pour mon collègue. J'ai retenu. Ouais, les mochis pour l'instant, mais je trouve que c'est la meilleure option. Après, je t'avoue, moi, ouais, mais à chaque fois, il y a du gras. Et farine de riz gluant, il n'y a pas de gras. Ça, c'est bien. Après, en apéritif, il y a des cloud egg, mais bon, le gras, ça dépend de quel. Parce que le gras du jaune, il peut. On va pas. Ouais, grave. Bah oui, c'est clair. Attendez, là, cette fois-ci, vous n'allez pas vous plaindre. Il y a de la viande, on est d'accord. On est d'accord. Alors, je vous reprends avec moi. Du coup, je vais mettre le hachis là-bas et on va jeter nos morceaux de cardon pour le dessert. Pour le dessert. Le dessert qui, je ne sais pas à quoi va ressembler. On verra bien. L'œuf est ok. Voilà. L'œuf et les poudres, tu sais, poudre d'amande et tout. Ça, c'est ok. Ah, sinon, j'allais dire, tu fais des cookies salés, mais bon, à chaque fois, il y a du fromage, donc du coup, il y aura du grain. Il y a des fromages, il n'y a pas de grain, mais il n'y aura pas trop de goût. Ah, la cancoyata à l'ail! Mais je sais pas si ça marche en coupi, tiens. Je ferai mes recherches aussi. Non, merci. Ouais, non, pour la mépris. Non, t'inquiète, t'inquiète, Rio. Du coup, il y a un peu plus Soel, c'est Score qui te propose les mochis et la patate douce. Si tu veux, je te poste quelques recettes ce week-end. Ouais, merci les gars. Du coup, ouais, il faudrait que je regarde aussi. Parce qu'il y a plein de trucs que tu peux faire. T'as le brownie. Mais en fait, ça vous arrête. Ouais, tu peux mettre aussi. Bah, tu sais ce qui est. Un, deux, trois. Le potimarron aussi, ça marche. Après, il me faut du sucré. Ouais, t'as le potimarron, t'as la betterave qui marche aussi en dessert sucré. Du coup, et sinon, il y a un dessert qui est pas mal, mais bon, c'est mascarpone. Donc tant pis, non, pas de mascarpone. Mascarpone, il y a 20% de matière grasse. J'ai rien qui si, si. Hein. Moi, j'ai juste mes tartelettes qui me viennent en tête. Une glace, Soel, glace, sinon. Glace, en fait, il te faut juste, tu sais, jaune d'œuf, de la crème, tu peux prendre bah, la crème à 4%, ou sinon tu prends du lait à la place de la crème, et tu peux faire une glace. Et ouais, il y a pas, bah, y a juste la matière grasse du jaune, en fait, du coup. Pumpkin cake, c'est pour emmener au taf. Ah, bon, oui, bah, moi j'emmène. Après, c'est vrai que je suis pas très loin. C'est vrai que c'est pas. Bon, mais tu mets dans un bain. Vous n'avez pas de frigo? Ouais, nous on a un frigo et un congélateur. Donc c'est vrai que du coup. Ouais, cheesecake au fromage. Tiens, très bien. Ouais, la tarte cheesecake. Ouais, grave. Cheesecake avec un coulis fruits rouges. Fruits rouges, juste tu prends des fruits rouges, citron. Tu fais à la poêle avec un petit peu d'eau. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Et franchement, c'est trop bon le coulis. Entre deux tests labo. Ouais, d'accord. Ouais, c'est en sucré vraiment que tu veux. Bah du coup là ouais le cheesecake c'est une bonne idée. Ouais le coulis, ouais grave.
Après, le chocolat, bah, le chocolat, il y a du grain, en fait. C'est vrai que dans les fruits, là, du coup, il n'y aura pas de grain. Alors, je nettoie le plan de travail. Parce que Philippe Etchebest, hier, il a dit dans la vidéo que le plan de travail devait tout le temps être nettoyé. Ouais, pâte de fruits, c'est vrai, il y aura du sucre, il n'y aura pas de grain. Bah, ouais, le sucre, non, c'est sucré, c'est pas du gras. Oui. Et sinon, après, tu peux faire... Ouais, c'est ça, je reviens sur les oléagineux, tu sais, des petits mendiants, des trucs comme ça. Mais les boules coco, là, si franchement, il... Ouais, non, la coco, c'est gras. Ah, ok, Soane. Ouais, du coup, ouais, sinon, t'as les boules, t'as les dattes, tu sais, tu mixes des boules, alors, en fait, qui ressembleraient un petit peu à des cookies. Tu mets des dattes. Mais non, on revient toujours à la poudre d'amande, poudre de noisette ou de la purée. Ouais. Ouais, les boules coco. Ouais, mais du coup, il y a du gras dans les cocos, dans le coco. Il est con, quel troll. Non, mais grave. Alors, sinon, Soel, moi, je te propose des pop-corn. Des pop-corn. Tu fais des pop-corn. Après, tu mélanges avec... tu fais chauffer les pop-corn. Tu mets un petit peu de sirop d'érable. Voilà. Et tu les prends vite, vite. Mais grave. Ouais, la noix de coco, c'est gras. Et donc, du coup, en fait, soit tu mets du chocolat par-dessus, du chocolat fondu, des trucs comme ça. Mais non, en dessert. Ou sinon, tu sais, tu prends des petits, un petit truc de cookie, là. Le truc à muffins. Bon, j'ose pas te le montrer parce qu'il faut que je la nettoie. Truc à muffins, tu mets, je sais pas, du sucre, enfin, du sirop d'érable. Tu mets les petits pop-corn au caramel. Exactement, voilà, exactement. Tu mets les pop-corn par-dessus et tout, tu laisses figer et tout. Et voilà, ça te fait des espèces de petits bonbons pop-corn. Mais ouais. Mais grave. Ou sinon, bah, le granola, mais du coup, le granola, ça va être gras avec les... Ouais, ça va être gras avec les oléagineux, donc non. Du riz au lait. Et le riz au lait, ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, un caramel. Ouais, le caramel, c'est ok. Ouais, donc du coup, tu préfères ça. Et ouais, comme ça, du coup, ça te fait un espèce de petit dessert. Caramel, ouais. Après, il y aurait quoi? Bah, les fruits rouges, moi, je kiffe. Fruits rouges, du coucoulis. Ouais, c'est chaud hein, quand il n'y a pas de matière grasse. Hein. Oh là là. Ah, vous voyez, c'est chaud quand il n'y a pas de sucre et c'est chaud quand il n'y a pas de matière grasse. Bon, on va... Tiramisu. Ah, tiramisu avec du skyr, bien évidemment. Mais grave. Après, il y a les petits gâteaux gastro. Il y a les petits gâteaux. Ouais, dans le tiramisu, mais à la place du tiramisu. Attends. Ouais, mais attends, c'est chaud. Hein. Gastro, en individuel, c'est chaud à ramener. Hein. Un skyramisu. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, grave. C'est pas du fromage, ouais, du coup, ça a un goût vraiment, tu sais... Ah oui, pas sûr, le fromage. Ouais, ouais. Voilà, après... Moi, je retourne... En fait, je me tourne. Hein. Je vois que du gras. Non, il y a les boules de dattes, en fait. C'est super bon quand tu le mixes avec... tu mets un petit peu d'eau et tout. Quand tu le mets avec les poudres de noisettes et tout. Mais bon, si il peut pas les noisettes... Ouais, les dattes fourrées avec... Non, pas d'amandes. Voilà, bon bah écoutez, je continue. Des chips sucrées de potimarron. Ah ouais! Oui, parce que le potimarron... Ah putain. Ouais, bah heureusement. Le potimarron en dessert, c'est pas mal. Sinon, Soane, je te propose du cardon. En dessert, du cardon et du chocolat. Ah non, on va faire avec du café et du chocolat. Ok, bon bah écoutez, là ça a bien rôti. Du coup, voilà, ça c'est bon. Je vous avoue, je suis un peu déçue là. Ma bolo, il n'y aura pas de sauce tomate. Bon, il y a des tomates, mais il n'y aura pas. Ouais, c'est viande archimègre et tout, ouais, j'imagine. Bah ouais, pas de grains. Ouais, bah steak haché déjà, du coup, le poulet. Mais ouais, c'est ça. Il mange quoi le reste du temps, tu m'étonnes. Et je vais mettre... ouais, tu vas se mettre les ingrédients. Des verrines, lait, amandes, vanille, agar-agar. Ouais, c'est pas mal, ça. Grave, une gelée fruitée. Mais grave. Ouais, Dr Pepper, c'est pas mal, ouais. T'as que du gras, tu bouffes de la misère. N'importe quoi, gastro. Ouais. Bon, alors du coup, on va couper donc des cardons en petits dés.
Oui, on va couper le cardon en petits dés parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est un crumble. Donc, pour le dessert, on va faire des petits dés de cardon et des petits dés de potimarron. Donc, on y va. Je vais juste me faire un petit gratin et je vous avoue, je vais garder la sauce. Voilà, je sais pas. Bon, on y va, je goûte parce que je connais absolument pas. Ah ouais. Ah ouais. Merci, Dou. Premier goût. Alors, premier goût, c'est artichaut. Mais vraiment, hein. Et à la fin, c'est amer, en fait. Moi, c'est ça, en fait. Ouais, grave. Bon, bah écoutez, on va blanchir cela, du coup. Eux, ils vont aller dans notre petit gratin. Ok. C'est vrai que le dessert avec ça, c'est quand même compliqué, quoi. Bon, écoutez, on allait tester avec l'oignon rouge. On va tester là. Hein. Ok. Ouais, c'est l'artichaut. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, Doc Pepper. Ouais, grave. Mais écoutez, bon, c'est pas mauvais, hein. Donc, du coup, là, je vais les blanchir. Je vais peut-être en mettre. Allez, encore un. Le reste, on garde entre notre poêlée et. Notre lasagne et nos lasagnes. Donc là. Voilà. Bah écoutez, on va s'attaquer à la poêlée. Hein. Ouais. Donc on va repréparer un oignon de l'ail. Oignon. Oh, il est énorme celui-là. Un petit, s'il vous plaît. Un petit. Bon, Bigfoot, autant te dire que j'ai un peu le stress pour le stream du room. Hein. Parce qu'il y a des colorants, donc du coup, il va falloir que je prépare des colorants naturels. Donc j'espère que ça va marcher. Demain, je fais ça. Voilà, donc du coup, voilà. Je veux vraiment que tu aies ton doux roux arc-en-ciel. Voilà, donc voilà. Empoilé avec des champignons. Ah, avec des champignons, c'est bon. Ouais, du coup, j'ai des champignons. Champignons, tomates, je voulais mettre des tomates, mais non. En fait, je voulais faire aubergines, tomates et cardon. Avec des olives. Pour le noir facile. Merci Doom. Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de noir. Par contre, j'ai un gros problème. Mais je vais trouver. Hein. C'est l'ingrédient bleu pour vous rouler le durum. J'ai tous les ingrédients qui font les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais le bleu indigo et le bleu clair en ingrédients pour. En ingrédients, il y a de la myrtille et tout ça. Mais ça, c'est sucré en fait. Alors qu'on va mettre du poulet, on va mettre du poivron, enfin des différentes choses comme ça. Ouais, et j'ai juste un problème avec l'ingrédient bleu. Donc je sais pas. En fait, je me suis tâtée, est-ce que je partais pas sur. Vous savez l'amba qu'on avait fait avec. L'amba, c'était super bon. C'était avec. J'avais jamais goûté. C'était quoi comme fruit? Non, si, j'avais déjà goûté. Avec de la mangue. Et du coup, ça avait donné un côté salé. En fait, c'est ce qu'ils mettaient dans leur sandwich. C'était quand on avait fait l'Iran, je sais plus quoi. Je sais plus quel. Ouais, le chou rouge, il est prévu, bah loulou. Mais c'est le bleu. Ouais, je sais, Vince, mais en fait, ça se mélangera pas, tu sais, le cassis avec. Des tomates, du poivron, du poulet. Parce que le durum, il va être salé. Et c'est là où j'ai vraiment le problème. C'est vraiment cet ingrédient bleu pour quand je vais rouler le durum. Après, je vais vous faire des durums de toutes les couleurs, ça c'est clair. Ouais, je sais, Vince. Ouais, je sais pour ça, mais il me faut en salé. En salé. Le chou rouge, si, on va le transformer, ça va devenir bleu. Oui, c'est pour faire le colorant naturel. Du coup, je ne le ferai pas avec vous, hein, parce qu'il faut des heures de préparation. Donc, du coup, je ferai ça demain. Et donc oui, t'as raison, bah Loulou, en fait, avec le chou rouge, en fait, faut le faire cuire assez longuement. Et après, il faut mettre du bicarbonate dessous, et du coup, ça devient bleu. Et ça va me servir pour faire mon durum bleu. Il y a des pommes de terre bleues. Ah, tiens, gastro. Ouais, il me faut un légume bleu, en fait. Mais de la ficelle. Ouais, merci, Marie Ananas. Merci, merci, ouais. Du coup, on fait quoi? Je pars sur l'aubergine parce qu'attends, là, ça me tente bien ce que tu m'as proposé. Des champignons. En plus, j'ai plein de champignons. Ouais, je crois qu'on va partir sur les champipis alors. Bon, bah écoutez, on va mettre l'aubergine de côté et on va prendre des champipis. Ouais. Ouais, j'en ai plein. Il me reste du radis noir aussi. Ouh, attendez, hop. Je récupère mes champipis. Voilà. Ok, ça devrait aller. Et donc du coup, aubergine, champi, tout.
Ah, tout! Ouais, je mets tout! Ah, je sais pas, parce que moi, ouais, champignons, aubergines, ah ouais? C'est bizarre. Ouais, je suis grave. Je mets tout. Ouais, d'accord, ok. Prends un schtroumpf. Ouais, merci l'artiste du net. Bah oui, bah oui. Un petit schtroumpf, ouais, grave. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est vraiment le seul truc qui me, pour l'instant, qui me pose problème. Je vais chercher, je vais chercher. Hein. Je vais trouver, je vais trouver. Ouais, donc du coup, bah merci. Je vais regarder les pommes de terre si j'en trouve une bleue. Parce que du coup, effectivement, on pourrait le mettre dedans. Vous savez, on fait des frites. Il y a parfois des sandwichs, je vais mettre des frites dedans. Bah comme dans les kebabs, non, ils mettent pas de frites. Et en fait, il faudrait peut-être ouais, de la vitelle bleue ou noire. Ouais, bah, je vais voir Gastro si je trouve ça. Du coup, j'ai pas envie de compter sur ça. Il faut que j'essaye d'avoir une autre idée où ça va pas dépendre de la boutique, quoi, de ce que je vais trouver. Donc oui, en tout cas, voilà. Et après, donc, ah oui, mais Gastro, donc t'es là. Et bon, vu que t'étais pas là la dernière fois au stream, du coup, je suis partie chez le boucher. Donc mardi, je l'ai appelé et il m'a dit que... comment ça s'appelle? Que pour avoir le double gras, il fallait que je commande 5 kilos. D'accord? Et je suis passée mercredi en fait. Les radis bleus. Ah, j'en ai pas vu, tiens. Le radis bleu. Et du coup, je suis passée mercredi, donc il devait me donner le prix. Donc je suis passée hier après. Mais enfin, ah, bah oui, parce que je vous ai laissé après stream, je vous ai dit que j'allais chez le boucher. Donc hier, j'y suis allée. Du coup, c'est là où j'ai pris ma viande. Et du coup, le gars qui devait me donner le prix n'était pas là. Et le gars qui était sur place, il m'a dit que franchement c'était un petit peu galère. Voilà, que c'était un petit peu galère et que, bah, que voilà, qu'il ne me trouverait pas de double gras, tout simplement. Donc pour l'instant, le tablier du sapeur est repoussé, on ne fera pas dimanche. Par contre, on ira à Lyon, du côté de Lyon, mais ouais, c'est ça, 5 kilos, donc pepper. Donc ils m'ont dit d'aller voir la charcutière en fait qui était en face. Donc du coup, j'ai été voir la charcutière. Et désolée. Désolée, voilà, faut que je trouve un autre charcutier quoi. En fait, je suis rentrée et puis il y avait une petite mamie qui était devant moi. Et en fait, la charcutière lui a hyper mal parlé. Donc, en fait, la mamie lui a dit qu'elle voulait 4 tranches de jambon de je sais plus trop quoi et tout. Et je sais pas, la charcutière elle avait le jambon dans la main et tout. Et donc, la mamie lui redit un truc. Elle dit ouais, mais là j'ai le jambon rose dans ma main. Et je me suis dit ok, bah connasse. Et je suis sortie en fait. Voilà, je suis pas restée parce que je voulais pas lui acheter. Voilà, parce que comment elle parle à une. Je vois pas pourquoi elle parle comme ça en fait. Voilà, donc du coup pour l'instant j'ai toujours pas mon double gras. Voilà, donc quand je l'aurai, on en fera. Voilà. Voilà. Et il y a des rêves. Ouais, il y a des rêves bleus, ouais, merci. Merci, merci. Non, bon, il faut que je trouve. Bah, la vitelotte, ouais. Mais la vitelotte, elle tire plus sur le violet, je crois, hein, en cuisson. Du coup, ça fera pas bien bleu. Et je veux pas utiliser de colorant. Voilà, donc bah écoutez, on verra bien. Ou alors je fais des champignons bleus. Ah, mais si, attendez, je prends le colorant que je vais utiliser pour ma pâte. Je fais des champignons bleus, par exemple. Je sais pas, je vais voir. Voilà, tiens, je vais voir. Mais oui, il suffit juste que je mette les champignons dans de l'eau. Ah, oui, puis ça va colorant bleu. Ouais, bah écoutez, ouais, j'ai peut-être une solution alors. N'as-tu jamais laissé parler ton. Ah, de quoi? Tu veux les moulures? Ah, tu as bien fait. Ouais, merci Doc Pepper. J'ai pas compris en fait pourquoi elle lui a hyper mal parlé. Mais voilà, enfin, c'est sorti comme ça et je me suis dit, mais. J'ai dit connasse. Voilà, donc je suis sortie. Voilà. On chante avec Manu Maya. Ah, d'accord, ok. Un trépied. Non, triperie, j'ai pas Doom. Non. Bonjour Zola le kangourou. Du coup, ce que je me dis, Doom, c'est que j'ai peut-être dimanche, je vais aller au marché et là, je vais peut-être voir si je trouve le double grain. Parce qu'en fait, du coup, ouais, c'est trépied ou charcutier. Donc, du coup, elle, je veux pas, ça sort de question. Et voilà. Donc, je vais voir sur le marché si je trouve quelque chose. De toute façon, on prévoit le stream. Ben non, parce que oui, on prévoit le stream dimanche, ça sera Lyon. Si je trouve le double grain, tant pis, je le ferai macérer moi 12 heures avant. Ben non, le marché, c'est dimanche matin. Ben on le fera macérer. Tu le verras, Gastro. On le fera un prochain stream, en fait. Voilà, donc ça dépendra de ouais, si je le trouve ou pas dimanche. Et donc un peu de bleu de méthylène. Ouais, mais oui, Vince, mais bien sûr, hein. Tout va bien. Ouais, j'ai vu les petits champs là, c'est mignon. Ok, bon, je vais peut-être m'activer un peu. Ok, Bolo, on est bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre une autre poêle à chauffer parce que là, du coup, on va lancer la poêlée de légumes. On va faire nos oignons capa bleu. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est l'arc-en-ciel en fait. Du coup, on va lancer nos petits légumes. Attendez, il faut que je m'active. Ça. Donc, on a dit qu'on faisait ça. On va mettre l'oignon. Je vais éplucher l'oignon.
Et on va surtout mettre le gratin au four. Et un petit homard bleu de... Ah, bah oui, l'artisinette, pourquoi pas. Et le porte-monnaie. Mais oui, bien évidemment. Un durum homard. La classe. Tu m'étonnes. Ouais, non, ça fera un petit peu cher. C'est un nouveau monde en couleur. Vous êtes trop mignons tous les deux. Ouais, tripier au charcutier. Ouais, je vais voir. Ouais, je vais voir Gastro. En tout cas, je mets tout en œuvre pour faire ce... Je veux goûter. Je veux goûter. Et il n'y a pas... Il n'y a pas de barbecue chelou. Je suis juste des champignons. Ouais, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Oh, merci. Donc, du coup, ça, c'est un sub. Ah, merci pour le sub. Merci, Liofac. Ouais, pour le deuxième mois. Merci, merci pour le sub. Merci. Go faire des dons. Ah, non, j'ai pas fait la page des dons encore. Vous me laissez encore un petit peu de temps, on verra ça en décembre, ça vous va? Ouais, merci, c'est gentil l'artisinette. Je sais pas si c'est... Mais non, c'est pas du méthylène, attends, je veux pas mettre ça. Mais non, je veux pas mettre du bleu de méthylène. Je vais mettre le bleu de la betterave que j'aurais obtenu en faisant mon colorant demain. Ouais, c'est ça que je vais mettre. Oui, c'est ça que je vais mettre. Et comme ça, du coup, je prends mes champignons qui sont tout blancs, je les mets dans de l'eau avec du colorant et ils deviennent bleus. Voilà. Ouais, donc des champignons dans le durum, ce sera très bon. Ou sinon les oignons, mais grave. Mais oui, sinon les oignons, je mets les oignons et ça devient tout bleu. Ah, on fait les oignons, vous savez, comme à la mode, non, comme au Chili. Ils les font blanchir dans l'eau. Bah du coup, je les fais blanchir dans du colorant bleu, dans le colorant bleu. Et ça ira dans notre sandwich. Ça va, ouais, pas mal. Cours de chimie, ouais, c'est clair. Oui, demain, c'est cours de chimie, gastro. En fin de journée. Parce qu'autant vous dire que là, le sport... Bah hier, j'ai fait du sport, mais vraiment... Bon... Enfin, j'ai fait mes 100 burpees, mais je les ai fait tout doucement. Voilà, j'ai pas poussé à fond cardio. Voilà, donc j'ai vraiment fait tranquille en fait. J'ai enlevé la partie d'oignon là qui était un peu pourrie. Voilà, et voilà, donc je suis pas à 100% en fait. Donc du coup là, ça va être une petite période calme, je pense. Hein. Ouais, ouais. Par contre, c'est dommage parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, donc là c'est con. Ouais, je sais, Kafa. Ouais, la reine des schtroumpfettes. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Bah écoute, ouais. La reine des schtroumpfettes. Oui, n'empêche, si j'arrive à sortir des oignons bleus, vous aurez jamais vu ça. Ok. Voilà, donc après... Et du coup, en fait, donc je me suis assurée, en fait, donc pour les durums, que tous, ils restent salés. En fait, la pâte, pour éviter qu'on ait du sucre dans la pâte, enfin, voilà, pour manger du poulet avec... Des trucs sucrés, c'est pas terrible. Ouais, quoique. L'amba, c'était très bon. La mangue, là, c'était très bon. Bonjour, Strykounet, comment ça va? Ouais, je peux dedans, dans mes cheveux, Strykounet. Bah, si tu veux. Si tu veux, mais... Ouais, pourquoi dans les cheveux? C'est bébé. C'est bébé qui... en fait, il me fait des petites papouilles dans la tête. Et c'est la plus originale. Mais oui, non, mais c'est clair, hein. Alors, on a mis nos oignons, on va juste récupérer notre ail. Ouais, bébé, il me fait des petites papouilles dans les cheveux, il aime bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hop. Donc, l'ail est prêt, c'est bon. Et on va peut-être se mettre aussi sur le dessert parce que du coup, il faut qu'on fasse le crumble, hein. Faut quand même qu'il aille au four. Donc, hop, c'est bon, on va récupérer. Ouais. Alors attendez, whoop là. C'est de combien de loyers dans tes cheveux? Ouais. Alors attends. Et sympa aussi les champignons. Donc Zola le kangourou. Donc ouais, champignons bleus. Bah si vous voulez en fait, on verra, on fera les champignons. Et ouais, et les oignons. Ouais, 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 il faudrait tester les deux en fait. Pourquoi Yukano a refusé Strike? C'est quoi Yukano? Ah, Yukano, c'est la streameuse, c'est ça? Ok. Bon, écoutez, on met notre oignon. Du coup, je vais récupérer un petit peu d'huile. Pas trop. Voilà, l'oignon. On va mettre aussi nos aubergines en dés. Allez, go, go, go. Et j'ai éteint le four, alors on va mettre les lasagnes. Enfin, c'est pas des lasagnes, mais bref, presque. Et donc, c'était... Ah, d'accord, je croyais que c'était une streameuse, en fait. Ok. Bon, du coup, donc, il y aura aubergine, on va mettre des tomates, champignons. C'était quoi la poêlée la dernière fois qui était juste trop bonne? Ah, mais, en fait, je cuisine trop, donc du coup, j'oublie tout.
On avait fait une poêlée. Alors déjà, je me souviens du chou-fleur. Le chou-fleur, il m'a marqué. Hein. Autant vous dire, vous savez, le chou-fleur qu'on avait fait pour le bento espagnol, ça m'a marqué. Hein. Enfin, ça, c'était juste... C'était trop bon. Non, et l'autre, ouais, c'était la poêlée. On avait mis de la sauce ponzu, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Ça aussi, c'était trop bon. Le lendemain, mon Dieu, trop bon. Très bien. Je pense qu'on aura une différence de quantité entre les détardants dans la poêlée. Le chou-fleur, ouais, pour le dégazage. Mais je vous promets, c'est fou, hein. Ça me fait pas cet effet-là, quoi. Et j'ai pas envie de vous mentir, hein, vraiment. Et donc, je sais plus, attention. Oui, je fais attention. Bah là, j'essaye de... Ouais, du coup, je vais vite. Mais on va quand même éviter de se couper, hein. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y en a qui arrivent bientôt, prochainement, à 20 000 Parce que, voilà, pour savoir en fait. Et score de la mort, en fait, j'ai... ouais, je suis à 6005. Je comprends pas, ça n'a pas monté hier. Donc du coup, peut-être que vous allez m'aider, parce qu'en fait, moi, score de la mort, je te mets sur l'ordinateur. Après, c'est vrai que je fais des trucs à droite, à gauche, mais du coup, j'ai pas mes petits points qui montent. Donc, est-ce qu'il faut que je participe au chat ou des choses comme ça pour que mes points montent? 90 000, Bigfoot? Ah ouais? Bah, les papillons, ouais, bah oui, les papillons. Vous êtes grave, n'importe quoi. Ouais, donc du coup, comment ça fonctionne? Vous savez, de 7000, Zola le kangourou. Ok, donc du coup, c'est pas grave, ça le fait tout seul. Ouais, ouais, ça empêche de monter des points si tu coupes le son et tu n'as pas la fenêtre active. Bah en fait, moi, c'est la seule fenêtre qui reste sur mon ordinateur, parce qu'en fait, bah du coup, je faisais mon sport, tu vois. Et bah après, j'ai laissé. Et du coup, ok, d'accord. Bah ouais, bah voilà. Bah ok, je suis trop con. Bon, bah écoute, merci score de la main. Ouais, grave. Donc c'est pour ça que ça monte pas en fait. Merci. Je suis nulle. Franchement, non mais je suis nulle. Merci. Ouais, voilà, c'est ça. 10 000... Ah, ok. Alors, bon, là du coup, il y a un cheveu. C'était Love Soulja qui m'avait parlé de mes cheveux. Non, c'est bon. Ok. Non mais du coup voilà, installe BTTV, son et onglet actif Maya si tu veux cotiser des points. D'accord, ok. C'est quand ça veut comme le choix de qualité. D'accord, ok. Mais donc du coup en fait, mon ordinateur il se met en veille et du coup ça fait ça. Ok. Bon, écoute. J'espère vraiment que je suis comptabilisée, hein, dans les stats, voilà. Et bah, je ferai plus attention la prochaine fois. Bonjour, ah, salut Anthony, comment ça va? T'es pas informé? Ah, merci, c'est gentil, Gaston. Ouais, du coup, bah, en fait, je savais pas. Ok. Et c'est vrai que je mets sur mon ordi, et en fait, je laisse et je fais d'autres trucs, hein. Désolée, Score, j'ai pas le temps de regarder, je suis désolée. Et du coup, je veux quand même bah, essayer de participer un peu, mais du coup, bah, je participe mal, quoi. Ouais. Très bien, donc là du coup je mets mes aubergines. Les oignons, on va peut-être les mettre, je vais les faire revenir dans une autre poêle parce que j'ai pas envie qu'ils rejettent toute leur eau là. Autant vous dire qu'on aura de l'aubergine. Ouais, non mais grave. Parce que, voilà. Ça c'est fait, c'est lancé. Donc du coup, en fait, je vous propose de. Alors, est-ce que mon lave-vaisselle a fini? J'ai oublié de le lancer tout à l'heure, donc du coup... Non, il reste 8 minutes. Bon, il faut que je récupère un truc. Ouais, il faut que je récupère mes petits plats, donc... Vas-y, termine. On va monter le truc des lasagnes. Et après, on va faire le crumble aussi. L'internet ment... Ah, d'accord, ok, ouais, bien sûr. Bah... Ah, c'est cool, vous êtes gentils, parce que du coup, ça y est... C'est pas de ma faute, quoi. Zola, tu sais déjà ce que tu demanderas? Ouais, tu sais ce que tu demanderas ou pas? 10 984. Et il faut que je me prépare, score de la mort, pour les 10 000 aussi. Il faut que je me prépare. Ouais.
Du coup, et c'était pas mal l'idée, tu sais, qu'ils ont lancé là de. C'était qui a lancé? C'était sur ton chat. Tu sais qu'on fait la même recette. C'était Doom, je crois. Tu sais, on fait la même recette tous les deux. Mais à notre façon, en fait. Très bien. Donc écoutez, là je mets la base. Là, je vais monter mon truc de lasagne. Je vous prends avec moi. J'ai peur de ne pas avoir assez de carbone. Bon, pour le dessert, en même temps, on va pas en garder beaucoup. Ah, peut-être que je les récupère. Ok. C'est bon, on les a blanchis. Allez. Du coup, on va les faire revenir dans le grand maintenant. Je vais du café. C'est François. Merci. Il s'est rempli d'eau de la vaisselle. Non, non, il n'est pas rempli d'eau. Tu as fait manger pour combien? Alors, dis ouais, du coup, j'ai fait à manger. Là, je pense que. Bah, en fait, j'ai acheté 500 grammes de viande hachée. Je te montre. Du coup, ça c'est ma protéine et après il y aura la poêlée de légumes. Donc je pense, là j'en ai pour, bah, pour 3 repas. Bonjour Lolo, comment ça va? Donc là j'en ai pour ce soir, j'en ai pour demain midi quand je serai à l'école et demain soir, je pense. Ouais, quoique la viande j'aime bien donc du coup peut-être voilà, ce soir et demain midi quoi. Voilà. Et j'aurai ma poêlée de légumes à côté donc ouais, je pense que ça fera bien 2-3 repas. Ok, on y va. Le pire stream. Oh non, c'est pas gentil, le pire stream. Arrêtez, j'ai fait un poulet sauce aigre douce qui était trop bon. Bon, j'avoue, le reste a complètement foiré. Mais c'est ça qui est trop bien en fait. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais, grave. Mais c'était vachement sympa. Je comprends la peau en fait. Oui, effectivement, il faudrait peut-être que je m'habitue plus à enlever la peau parce que du coup, il y a plein de peau là qui traîne. Là. Hop là, la peau de la tomate. Ouais, oui, alors la cantine, autant te dire, Joël, ce que j'ai essayé, et je ne. En fait, le plateau, il coûte 4,80. Et autant te dire que c'est dégueulasse. Donc, je me suis dit, très bien, tu as essayé. Et bah, tu ne continues pas. Voilà, donc je ne continue pas. Les enfants, ils payent 50 centimes ou 1 euro, donc je veux bien. Si je paye 1 euro, je veux bien, mais payer 4,90 pour ça, j'ai dit non, niet, je me fais. Voilà. C'est bon, ouais. Tu peux sauver mon. Ah ouais, c'est vrai, Lolo. Écoute, tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide. Alors vas-y, pour sauver ton Noël, vas-y. Vas-y, Lolo. Tu mets un peu trop d'espoir dans moi. Donc, du coup, est-ce que j'ai raté des trucs? Alors attendez. Donc, ouah, gentil toutou, je t'ai pas dit bonjour. Donc, oui, j'ai raté. Gentil toutou, je t'ai dit bonjour ou pas? Je mange un kebab. Ouais, vas-y, Lolo, tu manges le kebab. Ouais. Hein? On fait pas un kebab, mais on fait un durum samedi. Un durum arc-en-ciel. Et donc, t'as réussi à faire ce que avec le truc de 3 mètres de haut. Attends, tu prends par exemple les ingrédients de ta blanquette et tu fais ce que tu peux. Ouais, alors attends, c'est quoi? Doom, c'était quoi? Attendez, non, je suis perdue. Depuis le début, réaliser un concours sur les prépas cuisine, il faut que je fasse le message justement. Ouais, oui, ouais, ça marche, Cordelaman. Moi, je serai la première, hein. Franchement, je serai la première. Et pâté du berruchon, ouais, Vince. J'ai commencé à regarder un peu les spécialités du Berry, parce que je me dis, bah, ce serait bien qu'un de ces quatre, on aille du côté du Berry, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, je crois que c'est Berry. Ok, bon, bah écoutez, là déjà, j'ai mon premier. Voilà. Premier gratin. Du coup, on va pas mettre de. Comment ça s'appelle? De fromage ou quoi que ce soit, hein, on va limiter les calories. Donc là, c'est Elsie de chez Elsie, hein, viande à moins de 5% de matière grasse. On a mis juste de l'eau avec un bouillon, du coup, normalement, il y aurait de la sauce tomate, mais là, on a la tomate. Voilà, et eh bien écoutez, on va le mettre au four. Je vais mettre. Mais merde, pardon, j'ai rallumé le four, mais il y a les potirons encore dedans. Allez, voilà, ça a boursouflé et tout. Hein. Le potimarron, cette semaine, il veut pas. Hein. Allez. Je laisse à l'extérieur. Et donc le meilleur stream. Ah la tête de veau, arrête Mariana, arrête, 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 arrête. Oh mon dieu, oh mon dieu. Tu m'étonnes. Alors on va vite faire rapido. Et après on fait le crumble parce que du coup là hop, je commence à paniquer. Donc le kebab. Donc du coup j'ai pas eu ta réponse, Lolo Corsique. je viens d'arriver, j'ai vu FR3, je me suis dit. Ouais, c'est bah, FR3, c'était il y a longtemps. Bonjour Magarne, excuse-moi, je suis en retard sur le chat. Ouais, ça va, vous allez bien? Ma soeur est devenue végétarienne, pas de viande, pas d'œuf, enfin tout ce qui touche à l'animal. Alors je fais comment pour passer un bon Noël sans foie gras? Bah ouais, il va falloir que tu manges autre chose. Il y a le tempeh. Alors moi je kiffe le tempeh.
Du coup, ouais, c'est vrai que bah, t'auras pas de viande, quoi. Attends, végétarienne, donc ça veut dire que... Donc elle peut prendre des œufs. Tu peux te faire des œufs mollets, ce que m'a suggéré Vince pour mon repas la dernière fois. Ouais, tu te fais des œufs mollets avec une espèce de crème de... Bon, c'est pas la saison, mais crème d'asperges verte et tout, c'est trop bon. Ou une crème de parmesan. Ouais, une petite crème de parmesan en entrée. Le plat, ça va être compliqué. Une quiche? Non, je rigole. Scardella, il a l'ingrédient. Je suis trop en retard, je suis trop en retard. Go faire. Je pensais que c'était le bouquet. Hop, voilà. T'aimes pas mes niches? Ok, d'accord, merci les gars. Oui, ça a cramé. Tant qu'il y a des spécialités de nos régions, on ne connaissait pas. Ouais, grave. Pâte fraîche, allez, poubelle. Non, non, pas poubelle. Non, non, c'est encore là. Je vais vous montrer, ça a juste un peu boursouflé. Ouais, donc là, je viens de répondre à... Ouais, alors attends. Du coup, tu me laisseras réfléchir parce qu'en plats principaux, c'est vrai que le tempeh, tu peux l'utiliser. C'est super bon. En tout cas, moi, je kiffe. La dernière fois, j'ai fait un... Ah, un tempeh à l'asiatique. Celui que j'avais fait, il était hyper, hyper bon. Et la dernière fois, on a fait un tempeh. Pareil qu'on a fait... Et c'était super bon. Donc ça, je te donnerai. Ouais, foie gras au tofu, ça le fait moins. Tu peux être surpris. Tu peux être surpris, ça peut être très, très bon. Ouais, des œufs cocottes, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, tu peux ramettre, ouais, un petit peu. Et attends, je te montre à quoi ça ressemble, du coup. Et tu trouves ça, par contre, qu'en boutique bio? Tu le trouves en boutique bio? La dernière fois, on avait fait cuire à la vapeur, on avait fait mariner et tout, c'était juste super bon. Mais vraiment, bon, après, c'est pas de la viande, on est d'accord, hein. C'est des germes de soja, mais voilà. En tout cas, ça peut remplacer la viande et ça peut faire plaisir à ta soeur. Vraiment. Très bien. Alors, on a dit qu'on a coupé les champignons. Au secours, au secours, au secours. Bon, tant pis, je vais mettre les champignons dans la même poêle. On verra ce que ça donne. Allez. Jette ça. Mais pourquoi tu veux jette ça? Ah, le tempeh. Non, et gastro, franchement, c'est super bon. En tout cas, moi, j'aime bien. Et non, non, franchement, c'est vraiment bon. Et des pâtes fraîches. Ouais, pâtes fraîches avec une petite sauce et tout, c'est clair. Ou un petit. Ouais, c'est ça, un risotto au fromage. Un plateau de fromage. Ah, bah non, le fromage. Bah, si elle mange le fromage, du coup, si elle est végétarienne. Un plateau de fromage aussi. Oh, je kifferais, moi, un plateau de fromage. Voilà. Moi, tu me mets ça, c'est bon. C'est bon, mon oreille, il est... je kiffe ma race. De toute façon, je vous ai dit hier, mon plat. très bien. Bah, écoutez, là, c'est bon. On va mettre ça et puis on va laisser. Elle est végane. Ah, elle est végane. Ah oui, donc là, du coup, pas de fromage alors. Et donc, pas d'œuf alors. Si elle est végane, elle n'est pas d'œuf. Le tempeh, c'est une bonne alternative. Et sinon, tu te fais, c'est vrai, des pâtes avec des légumes. Ouais, c'est pas mal. Tempura de légumes. Exactement, Jewel. Ouais, c'est une bonne idée. Hop là. Et burger. Bah, tu peux faire les burgers. Nous, on a fait plein de burgers. Hein. Avec du tempeh et tout. Ouais. Merci. Ah, merci Lou. A donné. Et... Non, j'ai pas vu. Il a donné son. Mais j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Non, Moscou, je suis nulle. Mais qu'est-ce que je suis nulle. Pâte fraîche. Ah, je croyais que c'était une proposition, les pâtes fraîches maison. Ah. Ok, ça marche. Quand à l'avant, je croyais que c'était une proposition pour Lolo, pour Noël. C'est pour ça que je parlais des pâtes et tout. Ok, oui, d'accord, ok. Non, j'ai pas fait exprès. Et donc du coup les pâtes, tu veux des pâtes aux légumes? Ou est-ce que c'est la farce qu'il y a les légumes dedans? Ouais, en plus je voulais trop faire depuis un moment. Mais on l'avait fait déjà, on avait fait des tagliatelles. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien faire des pâtes fraîches. Ouais, très bonne idée. Très très bonne idée. Très bonne idée. Du coup, on va grossir un peu. Merci Scandalama. Bon, écoutez, je laisse ma poêle de côté. Du coup, on déglacera avec de la sauce yuzu. Non, sauce yuzu, cardon, je suis pas sûre. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ouais, vinaigre de vin. Ok. On va mettre un peu de sirop d'érable. Ok, ça c'est bon. Et je voudrais qu'on fasse le crumble. Les pâtes colorées, la farce, débrouille-toi. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Elle vous trône. Non, je suis désolée. Désolée les gars, je voulais pas troller. Très bien, écoute, on va débarrasser ça. Et je vous propose de préparer. J'en ai gardé un peu beaucoup là. Ah bah oui, il faut qu'on mette le cardon quand même dans la poêlée. Alors, on y va.
Ok, bon ça c'est bon. Ça je vais le garder. Bah non, je garde pas en fait. Ça on va le mettre dans la poêlée. Et donc les pâtes, ok, et les pâtes colorées, la farce, ouais c'est ça, merci Doom. Ouais non mais grave. Et donc je choisis la farce. Ouais ça marche, du coup ce qu'aurait la manche sera peut-être vers fin décembre ou début janvier. Je sais pas si ça vous va mais je pense passer les vacances avec vous. Qui est empoilé, qui lance à empoiler. Après, on mettra des olives vertes à la fin. Des petites olives vertes. Et je rajouterai le sirop d'érable et le vinaigre de vin. Voilà, on déglacera avec ça. Ouais, ça marche. Ok, d'accord. Ou alors, je me débarrasse de ma soeur sur Twitch. C'est une bonne affaire. Ouais, du coup, c'est vrai que si elle est végane, au niveau de la viande, c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. T'as le tofu aussi, hein, le tofu, tofu mariné. Par contre, tu t'y prends la veille, tu le fais mariner aux 24 heures. Et ça peut être sympa, franchement, voilà, ça peut être sympa. Comment te dire, ça peut être sympa, quoi. J'allais te proposer le plateau de fruits de mer, tu sais, que tu peux faire à Noël et tout, le truc Annecy et tout. Mais non, végé, ça va être compliqué. Très bien, ça je débarrasse et on va s'attaquer à notre crème brûlée en dessert. On va juste faire revenir donc notre cardo dans un petit peu de lait et de café. On va voir ce que ça donne. Hein. Et il faut une contre-soirée, repas de Noël. Ah oui, repas de Noël. Alors attends. Moi déjà je vous ai prévu un mois de décembre sous le signe de Noël. Donc on n'aura que des streams en rapport avec Noël. Je vous le dis. En tout cas à partir du 7 décembre, on n'a que des repas en rapport avec Noël. Et jusqu'au, bah, je crois, même jusque le 24, je crois que le 24, je stream aussi. C'est le jour de Noël, je crois. Donc même ce jour-là, on sera ensemble. Enfin voilà, bon, en tout cas, pour ceux qui peuvent. Voilà, donc on sera vraiment sous le signe de Noël. Quoi. Et on va bien grossir. On va bien grossir. Ouais. Donc ouais, après tu me dis score et tout. Mais c'est vrai que bah, tu prends les déguster. Ouais, bah, ouais, chouette, merci Valoulou. Du coup, attends, tu me dis quoi? Ouais, Papa Noël et tout, grave. Tu pourras te déguiser en Maman Noël? Non, je vais pas me déguiser. Arrêtez. Maman Noël, ça, il faut que j'ai la tenue. J'ai pas de tenue. Par contre, est-ce que je crois que j'ai un chapeau de Noël? Ouais, je crois que j'ai un chapeau de Noël. Ouais. Si vous voulez, je mettrai le chapeau. On regardera. Ouais. Donc, je sais pas si Rio est encore là, le stream Nutella c'est le 5, le 6 on va en Finlande. Et du coup, ouais, après on commence Noël. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Enfin, j'espère. Et donc oui, on peut se faire des petits concours pour les vacances de Noël si vous voulez, si tu veux score. Mais avec, non, avec une grande barbe. Non, non, jamais de la vie. Attends. Ah, c'est ma moustache, c'est ça? On revient sur ma moustache, non je déconne. Le stream de Maman Noël, ouais bah oui oui c'est clair. Hein. Non mais j'ai pas me déguiser en Mère Noël. Donc pas de problème avec les vegans, histoire d'habitude pour les recettes, j'en mets souvent sur le Discord. Ouais, et ça peut, oui ça peut être pas mal, ça peut être bon franchement, ça peut vraiment être bon. Ouais, et même tu fais un bon burger et tout, veggie et tout, c'est super bon, un bon burger vegan. Très bien, bon bah écoutez, là on est bon, notre crumble. Non, on va déjà lancer le cardon. Donc le cardon on va mettre un tout petit peu. Du coup, on va mettre la dose café. Hein. Maya avec une. Ouais, non. Mais oui, les gars, franchement, ouais. Mais ouais, c'est sûr que c'est moins drôle, il n'y a pas de viande, quoi. Hop. Donc, ça, c'est notre cardon qu'on a fait blanchir. Du coup, je vais mettre du lait. On va mettre du lait. Ouais, c'est du lait. Je sais pas ce que j'ai. Ouais. Ah, il y a du rhum. Est-ce qu'on ne mettrait pas du rhum? Non, c'est un peu gâché le rhum qu'on a fait la dernière fois. Et du coup, en fait, j'ai toujours pas bu. Hein. Ouais, j'ai toujours pas bu. Il faudrait que je le secoue quand même un peu. Ouais. Parce que du coup, ça reste en bas. Ouais, j'ai toujours pas goûté. Attendez. Ouais, mais là, ce serait dommage de gâcher le rhum coco avec. Ah, donc là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on fait pas tout à la coco? Ouais, avec du lait de coco. J'ai du lait de coco. Allez, on va changer. Ok.
Ok, enchaîne. Très bien. Alors, ça va me faire finir mes cocos là. Ils sont ouverts depuis je sais pas combien de temps. Allez, je change. Donc du coup, je vais mettre de la coco. Du lait de coco en fait. Très bien. J'ai senti, c'est bon, ça a l'air de... Donc on va faire revenir le cardon dedans. Du lait de coco. Voilà, au moins c'est suffit. Et ouais, matière grasse. Ouais, je sais, J-Wells, mais du coup, je sais que, tu sais, en fait, je vais juste récupérer les légumes et en fait, il y a la coco qui va rester en bas. Ouais, là, c'était, ça sentait trop bon. Attends, ça sentait trop, trop bon. Du coup, on va le faire réchauffer. Mais tu as raison au niveau des matières grasses, J-Wells. Ça, je te l'accorde complètement. Après tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de matière grasse, donc ça va. Ouais, Marianne Onas, ouais, grave. Donc du coup, on part sur la crème de coco, cardon et coco. Du coup, est-ce qu'on reste sur le café? Bah en fait, je vais revenir sur le chocolat. Du coup, on va faire chocolat. Donc je reprends mon cacao. Je voulais changer pour le café, mais on va faire du cacao. Ah. Ouais, cacao. Allez. Une cuillère. Et c'est parti. Hop. Ouais, bah écoutez, on va faire... Bah en fait, on va faire cardon. On va faire un crumble coco. Ah non, petit marron, ça va avec la coco? Bah oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Coco choco. Coco choco. Allez. Donc, je vous montre, moi, pour l'un... J'ai mis la cuillère dedans. Hop. Ouais, du coup, le rhum, on tentait bien. Mais non, on va attendre quand même. Très bien. Bon, bah écoutez, je mets ça en préparation, en... Ouais, en cuisson. Ouais, c'est... Bah, on verra. Ouais, bah oui, ouais. Bah, pourquoi pas, en fait. Allez. On va faire chauffer doucement. Bon, je vais vous montrer la poêlée. Ouais, donc la poêlée, faire attention. Vous savez, quand vous mettez de l'huile d'olive avec les aubergines, ne pas le mettre sur la peau. Parce qu'en fait, elle absorbe tout. Donc, il faut vraiment le mettre à l'intérieur. Bah écoutez, ça donne pas mal la poêlée, là. Bon, maintenant, on va assaisonner. Alors, est-ce que je repars sur mon mélange que je kiffe? Non, on va mettre deux. Ouais, si, je vais repartir sur ça, en fait. Allez, on va remettre un... Non, on va changer. Je vais changer ma poêlée. Écoute, on attend encore un petit peu, 5 minutes. Après, je vais déglacer avec du vin. On va mettre du sirop d'érable, histoire d'adoucir un peu le goût. Et des olives, voilà. Allez, hop. On va s'occuper de notre potimarron. Et pour un baba au rhum. Ouais, baba au rhum, oui, bah oui. Mais je sais pas les faire, les baba au rhum. Après, j'aime bien le rhum quand je le bois. Ah mince, on voit trouble. Ouais, mais je pense, Marana, que ça peut le faire. Ouais, mais justement, attendez, je vous mets... S'il vous plaît. Je rigole. Mais merde, mais... J'ai changé. Un plat, attendez. Voilà, c'est bon. On est bon, là. Là, c'est bon, je pense. Ouais. Je reviens sur... Arrête, Soël. Non, c'est pas totalement fail. Donc, en fait, ce que je vous ai dit, ça a boursouflé. Du coup, on va juste enlever la partie qui a boursouflé. Voilà. Et en fait, on va juste prendre les petits dés à l'intérieur. Et c'est ce qui va aller dans notre crumble. Donc, on va, hop, on réouvre la vaisselle. Désolée. Ah, bah, il a fini. C'est bon. Du coup, on va prendre le ça. Et on va faire le crumble. Alors, le crumble. Essuie la buée des lunettes. Ah, c'est bon, là, non? C'est juste assez... Non, c'est pas crémé, arrêtez. très bien. Donc, dans notre crumble, on va mettre donc notre petit marron. Ouais, on va le mélanger avec le cardon et du coup en fait je vais préparer la pâte à crumble. Alors du coup on va rester sur donc il nous faut du sirop d'érable, purée de noisettes, noisette coco, c'est bof ça non? Noisette coco. On va changer, on va se mettre sur l'amande. On va faire amande en fait. Du coup je vais enlever tout ce qui est noisette et on va faire de l'amande. Voilà, poudre de noisette, poudre d'amande. Ouais, amande ce serait meilleur. Et pourquoi on ne fait pas un petit peu... Ah, on va faire un petit peu de crumble coco. Alors, vous savez quoi? Je vous propose de découvrir... Ouais, cette semaine, c'est pas la semaine du potimarron. Hein. C'est pas cramé. Ouais, c'est crumbelisé. Merci, Diawel, ouais, c'était trop gentil. Du coup, on va refaire un petit tour dans la boîte, dans la boîte magique. Hein. Alors, je vais chercher ma poudre d'amande. Je sais pas s'il m'en reste. Non. Non. Ok, il y a plein de sésame qui est sorti. Bon, il y a rien, je m'occupe de... Voilà. On va faire un crumble avec la coco râpée, coco amande. Ouais. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'habitants, on est bien. La boîte à protéines, mais grave, l'artiste du net. Faut trop que je m'en occupe. Je vais le faire ce week-end. Bon, du coup, ce week-end, je vais aller à la campagne et j'ai dit non, on va rester sérieuse. Du coup, pas de campagne. Je reste là.
Ok, du coup, au niveau du sucre, de la farine. Farine. Ouais, avec une mixture. Alors, on va chercher la purée d'amande. Ça, je le laisse. Je vais le mettre là. On va prendre, donc on va faire du coup le crumble coco, on va prendre la farine de coco, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Pas de Mayenne délinquante, non. Ouais. Ouais, toi aussi si tu gardes le fromage, mais moi j'ai découvert des petites bébêtes. Chouette les mythes, ouais c'est clair. Hein. Alors du coup, donc on va partir sur la purée d'amande, du coup coco. Notre farine de coco, alors où est-ce qu'il est ? Farine de coco. Alors celle-ci elle est super bien, donc déjà c'est une farine que vous n'avez pas besoin de faire cuire, nous on va la faire cuire tant pis. Voilà, et donc on est à 16 grammes de protéines, on a un petit peu le goût de coco. C'est pas très prononcé, du coup il y a ça pour prononcer le goût de coco. Mais voilà, on va faire notre crumble avec ça. Et puis, bah, écoutez, on sera bien. Voilà, ça c'est en train de revenir doucement. Et le bol, il est là. Go. Alors, poudre d'amande. Je n'ai pas sorti la poudre d'amande, non mais je suis grave. On va mettre quand même un peu de poudre d'amande, elle est mitigée. Attends, c'est quoi? Pas de... Ouais, non, ouais, je suis, ouais. Merci Telenax pour le follow. Merci pour le follow. Mais c'est pas ça, c'est que je me dis quand même, je vais pas me prendre 135 euros, j'ai autre chose à faire avec 135 euros. Donc je voulais peut-être faire ma rebelle, mais au final, en fait, ils ont gagné, quoi. Ah, c'est du prin. Oh non, j'ai pas de poudre d'amande, en fait. Attendez. Non, c'est de la poudre de coco, noisette, noix de coco. Bon, bah, je vais mettre poudre d'amande. Du coup, on va rester que sur du coco. Que du coco. Voilà, donc ça peut improviser, mais en même temps, elle n'a pas ce qu'il faut. Ah, c'est... non, j'ai des noisettes, ouais, c'est... non, c'est la poudre de noisette. Alors, Doom, il a dit quoi? Pour qu'elle soit plus parfumée, tu l'as torréfiée au four. J'ai dit torréfiée, pas cramée. Ouais, ça marche, non mais grave. Tu parles pour la coco? Doom, parce que du coup ça va être le crumble, tu sais, qu'on va mettre par dessus et du coup ça va aller au four, donc du coup ça va déjà cuire. Ouais, t'as pas des céréales pour faire ton crumble, Dear Wells, mais en fait si là je vais faire mon crumble avec ça et du coup je pense que je vais mettre, bah, j'aurais bien voulu à la place de la poudre d'amande, qu'est-ce qu'on va mettre? Poudre d'amande, le petit quinoa soufflé là. Bah vous savez quoi, on va utiliser les petits quinoa. Ouais, on va utiliser ça parce que du coup il faut vraiment que je finisse le paquet. T'avais pas vu qu'un artichaut? Mais attends, c'est trop la classe qu'un artichaut, mais grave. Avec les copeaux, ouais, ok, d'accord. Mais du coup là je fais le crumble et après ça ira par dessus. Alors on est parti, là je me dis qu'il va être grand le... On va faire ça dans un plus petit plat, hein. Je vais pas manger tout ça, hein. Hop. Mon crumble, je vais mettre dans le crumble. Bon, attendez, je vais reprendre avec moi. Dans quoi, je vais mettre... Ouais, il me faut un truc qui va au four en plus. Bon, bah écoutez, bah tant pis, je vais faire un gros crumble. j'aime pas quand il y a tout en grosse quantité, parce que si c'est bon, après on peut peut-être penser que ça va pas être très bon. Bon, on va voir. Bon, bah écoutez, c'est parti. Le crumble. Du coup, on part sur... J'ouvre le paquet. Pas de surprise. Non, pas de surprise. Non, mais je déconne, je pense que... Ouais, mais enfin, j'ai pas eu de chance, quoi. Non, et en plus, la coco, c'était fermé et tout. Ok, donc, un. Du coup, deux. Je vais faire ma farine. La fève... Non, pourquoi... Ouais, mais bah, parce que ça goûte l'artichaut, hein, canne artichaut. Protéine, ouais, c'est ça, Jay, ouais, c'est exactement. Mais ça goûte l'artichaut, en fait. Du coup, en fait, je pars sur 2-2, hop là. J'ai plus de beurre de cajou parce que je l'ai fait avec les cookies, hein. Je vous dis, la V4, la version V4 est pas mal du tout. Voilà, donc du coup, je vais compléter avec la purée d'amande. Voilà, ça va remplacer un peu notre beurre. Et on rajoutera un petit peu d'huile de coco aussi. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà. Bon, autant vous dire que le crumble, là, il fait bien grossir. On va manger un tout petit peu.
Oui, donc canne artichaut, bah ouais, c'est. Mais il est trop bon, canne artichaut, c'est un de mes préférés, hein. Alors, celui que je trouve magnifique, c'est Draco. Attendez, non, c'est pas Draco. Si, c'est Draco. Et quand elle se transforme en. C'est pas Mini Draco, c'est le deuxième. C'est le deuxième que je trouve trop beau. Et j'adore aussi. Alors, le classe, voilà, c'est le classe. Voilà, le classe, je kiffe. Et canne artichaut, je le trouve trop mignon. Ouais, c'est Draco, voilà, c'est ça. Et canne artichaut, je le trouve trop mignon en fait. Et puis il se la pète avec son artichaut là. son poireau, c'est même pas. Ouais, c'est un poireau. Ouais, mini Draco. Dracolos, ouais, c'est ça l'artisinette. Du coup, Dracolos, je suis moins fan. Je trouve pas très beau. Et par contre, celui que j'adore en fait, qui se la pète dans le dessin animé là, c'est Dracaufeu. Dracaufeu, il est trop classe. Hein. Il veut pas obéir et tout. Dracaufeu, il est génial. C'est un peu mon chat en fait. Non, il est pas comme ça mon chat. Pas l'artichaut. Ah, pas l'artichaut, tiens, je savais pas. C'est quoi, c'est dans la nouvelle génération? Bon, bah écoutez, notre crumble est fait. Parfait, notre crumble est fait. Je vais juste rajouter un petit peu de petits trucs de quinoa. Hop. Voilà, juste un histoire de. Voilà, on aura notre petite boule. Bon, du coup, elles vont griller, j'espère qu'elles vont pas cramer. Et nous avons notre crumble qui est prêt. Ouais, bah je vous le montre alors. Et on va aller déglacer nos légumes parce que j'ai peur que. Oui, attendez, je vous montre le crumble du coup. On n'a pas besoin de mettre. J'ai même pas mis l'huile de coco du coup. On est resté sur la purée d'amande. Voilà, donc du coup, là, on va le faire. Il se forme plutôt bien. Hein. Hop. Donc ça suffit. Très bien. Ah, d'accord, ok, c'est la nouvelle évolution. Ok, yes. Bon, ben, ouais, j'ai même pas le temps de jouer ces derniers temps. Alors, pour les légumes, c'est bon. Du coup, alors on va déglacer, je vais mettre du vinaigre de vin. Vinaigre de vin. Vinaigre de cidre, allez, c'est parti. Je crois que c'est meilleur avec le vin, je crois. Voilà. Et on va mettre un tout petit peu de sirop d'érable, je vais en mettre un petit peu et ça va vous caraméliser, puis voilà. Psychoquac, ouais, psychoquac, non mais psychoquac. Psychoquac, quoi. Au secours, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je remets ça rapido et puis bah écoutez, on sera bon. J'ai pas mis beaucoup d'épices, ouais, je verrai ce que je me suis fait. Cette fois, moi, on va rester sur ça. Et donc, il y a aussi le topinambour. Oui, topinambour qui commence, ouais. Et ce midi, en fait, il y a un collègue qui a découvert le radis noir. Alors, je lui dis non, je lui dis tu connaissais pas et tout. Je lui dis ouais, attends, le radis noir, c'est juste trop bon, quoi. Bon, j'ai pas osé dire avec les Saint-Jacques parce que sinon il m'aurait dit mais tu te fous de ma gueule ou. C'était avec vous, j'avais fait. Donc, du coup, non, j'ai pas osé. Et Arcanin, ouais, Arcanin, il est beau. Arcanin, il est très très beau, je suis d'accord. Sommel, je suis d'accord. Arcanin, c'était mon premier. En plus, c'était mon premier qui avait évolué et tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, grave. Du coup, on va couper un petit peu. Voilà, on va mettre des olives dans la poêlée. Ça, je range. Au fond, il y en a partout. Du coup, je vais faire un petit mélange entre olive verte et les radis noirs. Ouais, c'est trop bon. En fait, et donc, en fait, il a découvert ça hier, en fait. Il m'a dit ouais c'est hyper bon pour la santé. Je dis ouais mais grave, mais grave, c'est bon pour la santé. Et donc du coup lui il se l'est fait en infusion. Il l'a pas fait en. Ouais, il l'a pas fait en. Bah c'est le directeur. En. Comment ça s'appelle? Oh là. En manger comme ça en fait. Mais je lui dis qu'il devait. Et en fait j'avais des tranches dans ma boîte. Je lui dis ah bah c'est dommage, t'aurais dû m'en parler avant parce que j'avais mangé les tranches en fait. Toi aussi, ah c'est vrai Soël. Ouais grave. Ouais non mais grave. Mais je suis d'accord, hein. Il est vraiment hyper classe là. Tu sais quand il est comme ça et tout. Grave. Ouais. Non, c'est 14. Non, 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 non. Goupix. Après, j'avoue, il y en a qui sont jolis. Hein. Goupix, c'est très joli aussi. Hein. Quand il se transforme en Fenard et tout. Et en fait, regardez, en fait, j'ai retenu que. Bon, je connais à peu près tous les noms, je pense. Si on m'en parle, je vois qui c'est. Mais c'est vrai que c'est la première génération. C'est de best, quoi. De best, de best. C'est chez Tiffleur qui ressemble un peu à. Il a des soucis, lui. Ah, non, c'était pas Psychoquack, Doc Pepper. Non, c'est Arcanon. Allez, hop. Du coup, voilà. Bah, ça va suffire là, sinon ça va cramer. Ouais, parce que du coup, le sirop d'érable, ça. Hop.
Attendez, hop, voilà, on est bon. J'arrête. Le gratin. Ouais, on est bon. Bah écoutez, en fait, on va être pas mal. Je vais lancer le gratin avec vous, je vais le préparer avec vous, et du coup, voilà, après, on va chez Scordé la mort. Voilà, je vous avoue, j'ai encore plein de petits trucs à faire. Voilà, et donc je me suis arrêtée. Ah, Dragon Ball Z. Ah, donc Doc Pepper. Donc t'es plus vieux que nous alors. Parce que nous, du coup, on a Dragon. Ouais, nous, t'es plus vieux que nous alors. Un petit peu, pas beaucoup. Hein. Hop. Voilà. Bon, là, c'est vraiment pour garnir hop, la poêlée. Ça, j'aurais pu le faire même sans vous. Tant pis. Très bien. Et donc c'est... Ouais, c'est moi la mamie. Ouais, bah écoute, si tu le dis. Ouais, je suis la daronne, quoi. 23-12. Attends. Ah, ça marche, Sultan. Merci d'avoir été là. Merci, Sultan. Merci, merci. Merci beaucoup. Et mince. Bah non, bah, je vais pas te relancer sur le sujet. Donc bon, on en parlera une prochaine fois. Voilà. Ouais, bonne soirée. Dors bien, Sultan. Trop bien. 19 secondes pour qu'il soit deux. Ok, bon bah écoutez, c'est bon. Hop. Oh là là, mais la journée en fait. Bon. Ouais, bonne nuit, ouais, grave. Dors bien. Bon, ce matin c'est 5h17. J'aimerais bien que demain matin ce soit un petit peu plus tard. Bon, sachant qu'on est vendredi, donc généralement le vendredi j'ai le sourire toute la journée. Enfin, ouais, j'ai le sourire, il n'y a même pas moyen qu'on m'énerve. Hein. Les gamins, il n'y a même pas moyen qu'ils m'énervent. C'est vendredi. Dernier jour de la semaine. Il y a un élève, tout à l'heure, il lève la main et tout. Il me dit, maîtresse, il me dit, tu trouves pas que ça passe trop vite, le temps? Je lui dis, si. Ok, si. Ok, si. Allez, on y va. Ça. Donc, j'ai mis un petit peu d'olive dans la poêlée. Donc, on sera bon. Et, bah, écoutez, on a fini. On va juste préparer le crumble. On va présenter ensemble. Ouais, week-end, mais grave, demain, oh là là, demain à 16h, à 16h45, parce que généralement, je sais pas pourquoi, mais les parents, ils sont toujours en retard le vendredi. Alors qu'ils, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils doivent se douter que nous, on a hâte aussi de... Non, en fait, c'est même pas le vendredi, c'est tous les jours. C'est aussi simple. Nous, on fait, en fait, les enseignants, on fait gratos, combien par jour hein? À peu près 20 minutes par jour. Ouais. Eh oui. Et encore 20 minutes, c'est juste le strict minimum, j'ai envie de vous dire. Juste à attendre les parents, qu'ils soient à l'heure, c'est tout. Bah, je sais pas si vous avez vu, il y avait une école qui avait fait une pancarte. Et n'empêche, sur le calcul, ça fait une heure par semaine. Donc une heure par semaine, ouais, ça fait bon, allez, 4 heures par mois. Il y a 36 semaines, attends, 36. Ouais, ça fait 36 heures gratos en fait. Ouais, non, c'est clair, ils ont pas hâte d'avoir les deux jours avec les parents, tu m'étonnes. Ouais, bonsoir The French Finisher, comment ça va? Du coup, on a fini, donc on va récupérer nos lasagnes au carbone, avec du carton. Je te montre la bête. Ça sent super bon, alors je sais pas si c'est le carbone, bon, non, c'est peut-être pas le carbone, mais en fait, ça sent super bon. Je laisse le four allumé pour le crumble. Ouais, en tout cas, ça sent bon, c'est cool, ça je vais le mettre là-bas. Et je vous propose de lancer. Et alors, ça, on va le mettre aussi en assiette. Comme ça, du coup, vous allez voir la poêlée de légumes. Moi, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Donc, dites-vous, c'est mon déjeuner entre ce soir et demain midi. Hein. hop, on va mettre ça dans un petit bol. Et là, le crumble. Ouais, je vais te mettre un peu plus d'olive. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Bon, bah, Doom, franchement, bon, j'ai goûté cru et tout. J'ai hâte de goûter, savoir si dans les préparations ça fonctionne bien et tout. Alors, le dessert, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Au secours, quoi. Ok. Alors, du coup, nous avons préparé ça. J'observe le cours, je prends note. Ouais, alors là, du coup, avec le carbone, je t'avoue qu'on a fait un pro. Là, je vais récupérer mon chocolat, mon lait coco. Et puis
puis bah du coup on va lancer des popcorn. Petit popcorn. Des popcorn. bonsoir Anakin, comment ça va? Ouais, ça va, ta vie elle est là, Maïté. Hein. Ouais, avec le cardon. Voilà, bon, du coup c'est pas avec l'anguille, mais. Ah tiens, je sais pas si on trouve facilement de l'anguille. Je sais qu'en fait en Espagne ils mangent beaucoup d'anguilles et dans les supermarchés, en fait, dans les sachets, vous trouviez. Bon, en fait, c'était des anguilles en lamelles. Donc du coup ça ressemblait un peu à des spaghettis, c'était trop bon. Ouais, c'était trop trop bon. Mais tiens, faudrait que je regarde, tiens. Ça reste discret en goût, je trouve, beaucoup moins que l'artichaut. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, parfait. Ouais, parfait. Parfait, merci de moi. Nickel. Et qu'un artichaut. Ouais, il est beau, non, Nakin, t'aimes bien? Techniquement, dans la D1, on a vu Ronflex debout et courir. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a vu. Ouais, c'est exactement ça pour Ronflex. Bon, Ronflex, il fait pas partie de mes préférés, en fait. Hein. Mais qu'un artichaut, il est quand même la classe. Hein. Franchement, il a un poireau dans la main et le gars, il trouve le moyen de la péter quand même. Hein. Il a raison. Il a raison. T'as trouvé le chili. Ah, t'as trouvé le chili. Ok. Et les pâtes italiennes à l'encre de sèche. Ah oui, ça doit être trop bon. Ouais, mais grave. Alors, du coup, on a préparé ça. Je vous le montrerai après. Et je vous propose de récupérer notre... Hop. Alors, le cardon qui est revenu à feu très doux. Je vous montre. Donc, du coup, là, c'est pour faire le dessert. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je vais récupérer donc les petits morceaux de cardon. En fait, le mieux, ça aurait été bien de les mixer, en fait, de le mixer. Non, ouais, avec les fibres, je suis pas sûre. Non, on va le laisser comme ça. Allez, on va le laisser comme ça. Oui, il y a de la... Bah oui, il y a de la viande, mais tu peux changer. Chili con carne, tu mets du tempeh. Ouais, le tempeh, je suis... Après, il y a le seitan. Le seitan, j'ai jamais goûté, mais Dou me dit que c'est pas mal. Attendez, je vais juste goûter, parce que si c'est pas bon... On a encore le goût en fait. Mais pas tant que ça en fait. Alors vous savez quoi, je vais rajouter un peu de cacao. Donc désolée, je vais continuer ma recette sans vous. Non, je lance mes popcorn. Et on va aller chez Score de la Mort. Ouais, j'aurais dû insister sur le chocolat. Parce qu'en fait au final, pas mal. Pas mal. Pas mal, tout est relatif. Hein. Mais hop. Ouais, je vais remettre du cacao. Et du coup on va le remettre à infuser. Je vais le laisser. Voilà. Et je vous en parlerai au prochain stream. Du coup, nous avons le su... Ouais, j'ai survécu. Ouais, non mais grave. Non, ouais, c'est pas mal, hein, en fait. Voilà, donc du coup, je vais lancer les popcorn. Je suis désolée. Je vais vous laisser parce que j'ai plein de trucs à faire. De toute façon, du coup, on se retrouve samedi. Hop, ça vient là. Hop. On se retrouve samedi pour le Do Room. Ah ah ah. Ouais. Ouais, ouais, j'ai hâte, vous n'avez pas idée. Non, je déconne. Non, faut vraiment que je fasse mes préparations demain et normalement ça devrait bien se passer. Et j'espère que le chou rouge va se transformer en bleu. Ouais, merci Vince. Du coup, bah, ouais, je vous dirai. Ouais, je vais lancer les popcorns. Ah, il est là ma plaque. Et c'est parti. Ouais, et c'est parti, voilà, c'est ça, c'est Google. Et c'est parti. Voilà. Voilà. Ouh. Et donc, du coup, bah, je vous dirai ce que ça donne. Du cardon, bonjour Natsuden, il est là. Le bébé, la bête est là. En fait, c'est un vieux légume. Donc, il fait cette taille-là quand tu l'achètes au marché. Il fait cette taille-là, mais sinon, il monte jusque-là, en fait. Il fait presque 1,5 m, 2 m. Et donc, du coup, il coupe le dessus. Voilà, et donc ça a le goût de l'artichaut, effectivement, et c'est plutôt amer, en fait. Mais en fait, ça ressemble un peu à la texture de, bah ouais, des endives, de tout ce qui est ça, en fait. Ouais, voilà, voilà, c'est du cardon. C'est pas si mauvais que ça, hein. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai vu, Doom. Bon, c'est pas plus mal, je trouve, quand même, pour les autres, il y a toujours les restaurateurs, les pauvres, mais bon. Et Noël, le 15 août, non, attends, le 15 août, c'est la fête de Marie. Ouais, ouais, ça marche. Nous, moi aussi, j'y vais, Anakin. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Score, il est bien. On est d'accord, hein, il est en live. Attendez, je vais regarder. Et comme ça, du coup, on va toucher chez Score dès la mort. Attendez, hop là. Oui, Twitch. Donc, Score, il a commencé ou pas? Ouais, il a commencé. Bon, bah, du coup...
Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Of a tennis ball. Oh, ah oui, j'ai pas coupé le son. Oh my goodness, the weight of a tennis ball. Ah, attendez. But somehow you will guess it right, you know, because with the... Voilà. Non, pause. Voilà. Très bien, donc écoutez, je vous remercie. Ouais. Pour Black, j'ai bien envie d'investir dans une imprimante. Ouais, moi je voudrais me prendre des petits des ustensiles, moi aussi, pour la pâtisserie, faire des moules. Ouais, je suis d'accord, Lolo. Ouais, moi aussi, ouais, grave. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour les subs, merci pour les tears, merci pour... des gros bisous, plein de bisous à vous. Très bonne soirée à vous. Et bah écoute, du coup, on se retrouve samedi pour des nouvelles aventures. On verra ce que ça donne. Voilà. Ouais, un cookéo. Ah, cookéo. Ouais, je sais pas. Tiens, je vais regarder. Non, en fait, là, pour l'instant, je suis pas sur les machines, je suis plus sur les ustensiles. Mais ouais, bon, on verra ça. Ouais, bon appétit, ça marche. Merci, bonne soirée à tous. Merci, et merci pour les follow. Merci, merci. Ouais, merci à vous. Merci, merci. Merci d'être là. Bonne soirée. On va toucher ce score, hein. Alors, comment on fait? Oui, c'est vrai, comment on fait déjà? Attendez, vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà. Ok. Ah, c'est ectoplasma! Mince, bon allez, hop là, allez c'est parti. On va chez Score. Go. Très bonne soirée à tous. Ouais, merci d'être là, j'adore. Entre avec popcorn, ouais grave. Allez, on y va. Donc là c'est bon, ça a marché ou pas? Ouais, non c'est vrai. Go. On est arrivé. Ouais, on est arrivé chez Score. Ouais.